Ah, bon, c'est trop mimes. Bah, je veux rester dans la chambre, il est où, Woody? Il refuse d'éclair. Ok, oh là là. Bienvenue dans l'escape simulator, en fait. Attendez, c'est en QWERTY. C'est en QWERTY, bordel de merde. Horrible. Vous pouvez explorer la pièce à votre guise. C'est en QWERTY, j'ai envie de me tabasser les couilles. Au secours. Champ de vision 140, c'est beaucoup, finalement. Marty Wazir. Marty. Oh. Voilà. Comment on change? C'est où les touches? Échappe. Oh, ouais, il y a une petite chaise. Ok, Escape Simulator. Moi, j'ai Una avec un cœur. Marty was here. Ah ouais, Marty était là. Pourquoi on est dans une boîte bleue? Accomplissez-vous. Vous pouvez traîner les grands objets. Oh, d'accord. Je suis en train de littéralement smurf le truc, là. Je suis désolée, mais... Bah, c'est toi qui vas devoir nous carrer, maintenant. Oh, une clé. Ok. Oh, c'est décevant. Je suis déçue. Oh, ça va être incroyable. Laissez-les dans votre inventaire. Comment ça, dans mon inventaire? Il est où, mon inventaire? J'ai la synchro verticale, qu'il y a une latence. Ah, d'accord. Quoi? Ok. Je comprends pas. Ah, ok. C'est bon, j'ai compris. Oh là là. Je vais essayer votre objet. Okay, oh là là, ok. Alors. Ça, pour l'instant, ça va. Oui, traîner. Pour l'instant, c'est bien. Ça va. Oui. Attendez. Et collecter 10 cubes. C'est quoi mon bouton pour mute déjà? Ramasser la clé dorée. Hop. Alors, attendez. Ok, tout va bien. Mon bouton pour mute, il marche plus. Bon. Merci beaucoup Bad Wolf Sama pour ton 3ème mois de sub. Merci beaucoup, comment tu vas? Merci, merci. Eh, ça a l'air trop stylé, ouais, déjà. D'accord. Ça a l'air déjà trop stylé, le jeu, vraiment. Oh, j'aime trop. Il existe un raccourci, ramasser les objets plus vite. Ah, faut rester appuyé. Examiner. Ah non, appuyer deux fois. Ah. Ah, tu spam clic comme un dégène, en fait. Ah oui. Okay. Il existe un raccourci. Oui. Tac, 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 tac. Oui, tu spam clic comme un dégène les objets et ça ramasse tout, quoi. Ok, examiner la boîte en détail. Oh, mais il y a trop de trucs. Faites tourner la boîte. Ah. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout cassé. Ça va partir bien, ça. Qu'est-ce que... Examiner la boîte en détail. Et comment je fais? Je l'ai volé. C'est espace. Ah, espace. Ça part si bien. Eh, mais je lis pas, moi. Okay. Je suis dyslexique, je lis pas les choses. Mais dyslexique, ça veut pas dire ne pas lire. Non, ça veut juste dire que j'aime pas lire, vu que je lis mal, du coup je lis pas. Ouais, mais là faudra quand Allez, même Kirito lire, monsieur. Le jeu, c'est Escape Simulator, en fait, c'est des escape games, mais en coop, en ligne, comme ça, c'est 274. En tout cas, on n'a pas encore joué, mais je dis déjà que c'est très sympa, parce que... Moi, j'en ai au tuto, j'adore déjà. Oui, j'aime beaucoup déjà le tuto, en vrai. Ah, moi aussi. Okay. Pour l'instant, c'est facile, donc c'est bien. Cling. J'ai ouvert le coffre. J'ai smurf. Comment il y avait rien dans le coffre. Envie de me flinguer. Comment on ouvre la... Je vais être con comme un balai, ça va m'énerver. T'es bloqué à la boîte. C'est derrière. T'as l'air coloré. Bah écoute. Ah, en tout cas, le jeu est beau en vrai. En vrai, ouais. Le jeu est... J'aime bien le style cartoon un peu là. Comment on lance? Waouh. En attente des autres joueurs. On vient de finir le tutoriel, mais on va se lancer dans une vraie room, je pense. Juste après, on va juste attendre que Kevin... Que Kevin arrive à ouvrir sa boîte. Je peux pas mettre le truc dans le trou. Elle se met des bâtons dans les roues, je pense. Ah, mais croyez-moi que je pense que vous êtes pas prêts pour le niveau de stupidité de ce stream. Hein. Ah, moi, j'ai prévenu pas mettre qu'on dans avait le un demi-cerveau pour trois. Comment on met moi, dans le trou? Moi, j'ai prévenu. Kevin, il faut que tu slides. Tu vas sur le truc, sur la clé, tu la slides sur la box. Mais je peux pas, ça fait tomber la box. Ça va être trop bien. Oh putain. Ça fait tomber la boîte. Oh, il va y avoir personne pour rattraper les autres, putain. Ça va être incroyable. Oh, ça prend... Comment on est dans le tuto, Oh, on est dans le tutoriel. Heureusement qu'on a fait le tutoriel, hein. Ça promet, oui. Mais ça veut pas. Oui. Merci beaucoup Full Metal pour ton follow, bienvenue à toi, merci. Attends beaucoup. Kevin, je vais aller sur ton stream 2 secondes. Ah ouais, moi aussi, attends, je vais voir qu'est-ce qu'il fait Kevin là. Mais non, en fait, il faut que tu prennes la boîte dans tes mains. Tu fais... Ah, et là, tu fais... Tu prends la clé, voilà. Là, tu fais espace. Quand t'as la boîte, tu fais espace. Ouais. Là, tu tournes là où tu veux.
Et là, ouais, tu glisses la clé en bas jusque la... la... Mais en plus, Kevin, il n'y a même pas besoin de lire. Il fallait poser la boîte et se servir de la clé, quoi, comme un vrai être humain. Excusez-moi. J'ai pas retenu, c'est quoi le code? C'est un jeu, Kevin. C'est... 274. Oh, et bonjour aux personnes dans le VOC, faut pas les oublier, voyons. Oh, oh là, 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 vous avez un bonjour de Kirito, la team. Oh, ah, bonjour. Ah, bonjour, c'est dis. C'est le nouveau oui. perso bonjour, dans le Kirito. J'allais faire la blague aussi. Merde, on n'a pas le... Bon, de toute façon, il y a... littéralement Nalari, moi et la prod du jeu. Si vous entendez une oui. voix d'homme, oh, c'est Quick. Oh, salut oh, les poufs. Bonsoir. Alors, elle est très petite la pièce. Pourquoi je peux pas avancer? C'est très exigu quand même. On est à l'étroit un petit peu, oui. Pourquoi je peux pas avancer? Oh non, Nala, elle est trop mignonne. À peine elle arrive, elle regarde un jouet. Et... mais attends, oui. mais Nala, c'est Jessie dans Toy Story en fait. Ah oui, j'avoue. Oui, pas fait exprès. Ça, à moi les voitures. Attendez, pourquoi je peux pas avancer là? Ah oui, ça va être... bah oui, bien sûr que ça va être incroyable. Pourquoi j'ai pu modifier les commandes? Il oh, y a une poubelle. Y a rien dans la poubelle? Ah non, elle est empty. Mais ça m'a remis. Mais regardez la forme de la poubelle. C'est un demi-cercle. Trouvez vite un demi-cercle. Ça m'a remis en... attends, parce que j'ai pris un milliard de trucs dans mon inventaire. S'il faut, voilà, je les ai. Comment on ouvre l'inventaire? L'oreiller, ok. Empty. Attendez, là, c'est déjà la première épreuve, oh, du coup. Cylindre. Regardez la team. Ah, j'ai un... j'ai les gars, il y a un remontage. Compte à rebours de 14 minutes. Ça compte comme un demi-cercle, ça? Non. Hein. Nala okay. qui parle pas et juste qui prend tous les objets, j'adore. Je les déplace. Ah, attendez, peut-être là. Y'a quoi là-dedans? Des crayons, des boîtes. Jetons trouvés, vous avez trouvé un jeton secret. Mais Kevin, pousse-toi. Ah, mais il y a du temps. Mais oui, c'est, ah oui, c'est un escape game, Emma. Emma, c'est un escape game. Ça fait quoi le bouton? J'ai une pyramide. Il y a un trou. Non, j'ai trop loin. J'ai eu un indice. Clé, voiture. Il faut la clé pour la voiture. Ok. Il y a des marqueurs. J'ai trouvé un jeton. Ok. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai une clé de remontage, là, comme on avait pour la j'ai la voiture. Avant, tiens, regarde, je te la pose. Ok, ok. Hop. Ok. On est censé comprendre quoi là? Waouh, elle s'est ouverte. Ah, il y a une clé à l'intérieur. J'ai la clé. Nice. Ok. C'est pour sortir? On peut sortir du coup. C'est tout? Wouh. Mais c'est trop facile. Horrible le temps. Je pense que dans l'escape game, ce qui me stresse le plus vraiment, c'est de regarder les minutes passées. Ouais. Parce que je... oh, comment tu danses, Emma? T'as des trucs dans les poches, Emma, qui sont bizarres. Comment ça, j'ai des trucs dans les oui. poches? Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va terminer cet épisode. Rester ou retourner au menu? Bah alors, je ne sais pas, dis donc. Parce que je... ah, mais c'était toujours le tuto, en fait. C'était juste dans la pièce. Non, mais c'était la fin du tuto, en fait, donc faut qu'on quitte. Un open world. C'est écrit toujours tutoriel quand tu cliques sur la barre. On va retourner au menu, alors, j'imagine. Ok, on va faire le labyrinthe d'Egypte maintenant. Oh, la première chose. Ok, on a réussi le tuto comme des chefs. La prochaine fois, je vais en escape game, je vais mettre un... surtout, Nala, n'hésite pas à participer au jeu, hein. Ça fait 10 minutes que je suis mute. Ouais. Ce serait bête, quoi. Ce serait vraiment bête. Vous savez que je parle depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire, vas-y, m'écoute pas, ça me casse les couilles. Genre, j'étais mute. Bah mais ouais, coup, tu joues à Overwatch. J'ai envie de mettre fin à mes jours, c'est trop. C'est dommage, quoi. Que un indice, ça fait mais je fais tout le temps ça, j'en ai marre bah de ouais. moi, putain. Ouais. Mais. Tout cassé. C'est vrai que j'ai récupéré un indice, on n'est pas obligé d'utiliser les indices. Un indice, hein. Ah ouais, c'était le tutoriel aussi, ça là, va, il y en aura sinon, plus. Je t'ai dit coucou, merci pour le sub. Est-ce que vous êtes chaud pour la première chambre? Je suis chaud comme une camionnette à chourou. Oh là là, alors là, je suis... je suis si hype par ce jeu, j'ai trop envie. Alors écoute, attendez, alors attention. Okay. Alors, ok. Ah, j'ai un sphinx, pardon. J'ai un livre. J'ai un flacon. Comment on fait pour le regarder dans tous les sens, le truc, déjà? Ensuite. Ok, j'ai deux chiffres, enfin deux numéros. Oh, j'ai ouvert un trou. J'ai cassé le vase. Trou. Là, il y a un triangle. Alors, on n'utilise pas l'indice. De base. Non, utilisez pas l'indice. On l'utilisera que si on a vraiment besoin. La mallette. Comment on fait déjà pour scruter les objets? J'ai oublié. Ah, c'est espace. Ah, ça fait un œil. Faut les mettre dans le bon sens. Faut les retourner, le œil. J'ai plein d'outils. Ça, c'est la première Merde. Partie du œil. Ok. Il faut le mettre là. Mais un jeton là. Ok. Donc il y a des ronds. Ok, on est d'accord. Je pose une mallette, elle est vide. Hein. Précise. Elle est vide, très bien. J'ai pris. Mais là, les trucs, ils ont des ronds. Où est-ce qu'il y aurait des ronds? Est-ce qu'on voit des ronds quelque part? Attendez, là, il y a un trou, c'est pas pour rien quand même.
C'est une gourde. Mais c'est écrit flacon. J'ai assemblé un truc, je sais pas à quoi ça sert. Je me fais troll par le jeu. De l'eau qui tombe là-dedans. C'est la poubelle, ça ? Là-dedans. Je sais pas. J'ai une pelle. Oh ! Ça sert à quelque chose ? Oh putain, c'est compliqué. Ouais, c'est la première map, hein. On n'est pas dans la merde. Attendez, il y a un truc. Ah non, c'est le temps. Brique. Oh, c'est moi, la brique. Ah non. Oh, attendez, le morceau de brique, faut le mettre dans le trou. Je suis sûre. Attendez. Y'a rien dans la mallette, vous avez déjà pris ? Ok. La mallette, j'ai pris. Parce que je l'ai pas bien mis. J'ai tout mis. Oui. Ça. Ah, y'a. Ah, mais oui, tu peux. J'avoue, attends. J'ai des livres. Vous voulez pas faire à ma place ça ? Non. Ça a rempli ? Je ne sais pas. Le temps, il m'angoisse. Héloïse, tu veux pas faire ça à ma place ? C'est quoi ? Prends le livre et ouvre-le, faut lire. faut lire. J'en ai deux. J'en ai deux à lire, c'est bon, vous pouvez bien en lire un, non ? Oh putain ! J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression que le flacon puisse être rempli. Ok, j'ai des hiéroglyphes qui correspondent à un alphabet. Moi, j'ai des trucs qui correspondent à des numéros. Œil ? C'est W, D, J. Ah non, mais moi, j'ai pas signé pour faire des maths, hein. W, D, J, W, D, J. C'est oiseau ? Ok, ça, c'est pour... Oiseau. Oiseau, cactus, alors. Enfin, oiseau. Il est où ? Je l'ai perdu. Oiseau, perdu dildo, mon... serpent. Quoi ? Oiseau, dildo, serpent. Mais qu'est-ce qu'il va ragouine ? Attends, Nala. Oui ? Tes numéros, est-ce que t'as des symboles à côté du numéro ? J'ai perdu le morceau de pyramide. Bah. Comment ça ? T'as pas. Genre, c'est quoi ton livre ? Il t'affiche quoi ? Bah, c'est pour trouver des nombres. C'est la trappe des nombres. Je peux regarder en même temps que tu fais ? Oh, let's go ! Ok. 1, 2, 3, 4, ok. Et le jeu, c'est un escape game. Ça, ouais, et on en chie déjà. Place. Attends, 1000, c'est un bonhomme qui... C'est une femme qui crie en jupe. 10 000, c'est un doigt. Un doigt. 100 000, c'est une grenouille. Un crapaud. Ouais. Mais ça ne sert à rien, là. Il faut qu'on trouve... Ça, mais il faut remettre une brique, là. Il n'y a pas des morceaux de briques. Ça, faut mettre une brique. Attendez, là, tu peux regarder, ça sert quoi ? Ah non, c'est un jeton, j'ai rien dit. Ça sert à rien. J'ai peur. Si, je pense que ça sert. Hein. Bah non, oh, attendez, on peut remplir l'eau avec ça, peut-être. Attendez, c'est une bombe. J'ai essayé, mais j'y arrive pas, alors peut-être que tu peux y arriver, hein, mais... Bah, faut enlever le bouchon et la remplir d'eau. Il y a un truc dedans. Ah oui, c'est vrai que tu peux manipuler les objets, en fait, je suis trop bête. Oh, j'enlève la poussière, regardez. Enlève la poussière du coffre. Ok, Nala, il y a les chiffres. J'ai ramassé le jeton en mettant de l'eau dedans, j'ai vraiment 10 millions d'IQ. Désolé, fallait que ça... Ok, bah c'est super. Nala, il y a un truc pour toi, là. Il y a les chiffres. Ah oui. Femme qui crie en jupe. Naruto pluie. Attends, faut que je dise combien ça fait, du coup. Penny, Pac-Man. Pac-Man ? Attends. Alors. Bah, tenez, regardez, moi je peux pas regarder en même temps. Mais je comprends rien. Mais de toute façon, à quoi ça nous sert ? Parce qu'on n'a pas la clé, je comprends pas. Morceau de bruit. Ah oui, faut le code. Hop là. Ok, je te dis et tu me dis. Ok, je vais. Femme qui crie en jupe. Femme qui crie en jupe, c'est 1000. 1000. Pluie sur spirale. Combien de pluie ? 3. Bah alors ça fait 103. Ok. Et femme qui crie, c'est quoi déjà, 1000 ? 1000. 1103. Arche sur spirale. Tiffantable sur spirale. Heureusement que c'est pas hier. 110. Parce que là... 110. 10213. Non, 1213. Mais attendez, est-ce que c'est pas... Emma, tu veux pas... Ouais. 1213. spirale sur 3 pluies. Spirale sur 3 pluies, 103. 1000! Attends, non, j'ai dit de la giga merde, je crois! Non! Faut recommencer, attends! Non! Attends! Parce que faut que tu dises lequel est au-dessus! Attends. Bah ouais! Mais à chaque fois, je dis lequel est au-dessus! Je dis pluie sur spirale ou spirale sur pluie? Toi qui écoutes pas! Redis du début pour être sûr quand même! Parce que Pac-Man en jupe qui crie!
Ouais, 1000. Pluie sur spirale, 3 pluies. 3 pluies sur spirale. Ça casse pas. 3 pluies sur spirale, ça fait 300. Ok, donc 1300. Petit fantôme sur spirale. Petit fantôme sur spirale. T'es sûr? Ah oui, oui, petit fantôme sur spirale. Hein. C'est quoi ça? Bah, petit fantôme sur spirale, bah... Ah mais ça c'est ce qu'on a... Ah, arche quoi, c'est une arche. 110 c'est... du coup. 110. Donc 1410. Ouais. Spirale sur 3 pluies. Donc spirale au-dessus. Spirale sur 3 pluies. Ouais. Attends, j'ai un problème. Oh, elle sait pas compter, Emma, et nous, elle sait pas compter. Mais c'est super bizarre. Elle joue avec une poutre, l'autre, derrière. Lâche la poutre, Emma. Lâche cette poutre. 1000. Mais j'essaye. Mais ça n'a pas de sens. I'm trying. On peut déplacer ça, ça n'a aucun sens. Regardez, il y a un truc à faire. Pourquoi ça fait 1205, ça? Ah si, ok. Oh, je suis une sale merde. Attends, ok. Ok, non, j'ai mieux. Dis-moi combien il y a de dames. C'est bon, j'ai compris. Ok, il y a 3 dames en jupe qui crient. Et bah, ça fait 3000. Bah, ouais, ensuite, super, combien il y a de spirales? Okay. Combien il y a de spirales? Il y a 4 spirales. Ça fait 400. Ok, donc 3400. Mais non, mais. Il y a 2 fois 3 pluies. Non, combien de petits fantômes d'abord? Ok, 2 petits fantômes. 20. Et combien de pluies en tout? 2. 2 pluies de 3. De plus de 3, combien il y a de traits? Chaque trait c'est une unité. Ok, bah il y a 6 traits. Et bah 6. Bah ouais, de plus de 3 ça fait 6. Tu sais compter, Nala? Alors, ça fait combien en tout? 3000. Donc, 3000. Attends, quoi? Les spirales c'est quoi déjà? 4 spirales? C'est des centaines. 400. Ok, donc 3400. C'est quoi les fantômes? Les dizaines. 3426. Voilà. Voilà, okay. C'est pas dur! Comment on fait là? 3, 4, 2. Ah non, qu'est-ce que tu vas raconter? 6. Clé! Ah oui, j'ai la clé! Hein? Clé pour ça! Hop, on ouvre le coffre! De l'argent! Waouh! On est riche? Ouais! Non! On est chaud en fait! Oh, los dineros! Oh, j'ai tout fait toute seule! Ah, mais ça sert à quoi les jetons? Là, attends, en fait. J'ai un triangle! Ça doit se poser là! C'est des bouts! La pièce elle se met au milieu là! Oui, la pièce se met au milieu et puis il faut mettre les bouts autour! Comment on fait pour la mettre au milieu? Il faut reconstituer! En fait, t'as pas la bonne pièce? Bah. Ce serait fou quand même! Tu manques de jugeotes. Qu'est-ce que vous... Ah mais non, il y a plusieurs, y a plusieurs portes. Attendez, j'ai un truc, je sais pas à quoi il sert ça là. La team, il reste 5 minutes. J'ai un sphinx, je le mets dans le trou. Oh, ça, le sphinx. C'était ça. T'as eu un sphinx doré. Il a été transformé en doré. C'est pas ça. Faut que tu le regardes, regarde avec... Il y a de la trois vagues. Attendez. Trois vagues. Ouais. Attendez, mais là, il y a des... Ah, vague, pluie, eau, vase. Je suis beaucoup trop smart, je réfléchis beaucoup trop vite. T'as fait quoi? Je sais pas, j'ai mis le sphinx dans la flotte. Essayez ce sphinx. Il reste 5 minutes, non mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Coucou, ça va, comment ça va? Les pièces, ça donne des. En fait, les pièces, ça donne des jetons. Et ça fait quoi les jetons? Bah, j'ai mis une pièce dans l'eau, ça m'a donné un jeton. Mais vous avez traduit les hiéroglyphes? Grave. Ouais. Si œil, c'est WDJ, un truc dans le genre. Mais. Ah, c'est terrible! Moi je suis maçon. Elle va rentrer chez elle, elle va faire ça avec les. Mais c'est vrai que j'ai des morceaux de briques là, mais c'est. DJ. Je sais pas comment ça faire. Fait ça a fait quoi mon sphinx dans l'eau là? Il s'est passé. Ah, mais attendez, je peux lire ce qui est écrit sur les portes en fait, je suis un fils de pute. Mais est-ce que quelqu'un a vu ce que mon sphinx avait affiché quand même? Parce que j'ai mis un sphinx dans l'eau. Quelqu'un peut me dire ce qui est écrit sur le côté des portes ou vous en avez rien à foutre? Oui, non, on peut. Ok, quand vous avez un livre ou un truc dans le genre et que vous l'ouvrez avec espace, en haut à gauche, enfin en haut il y a écrit ce que c'est, donc livre, et à gauche il y a une petite épingle, et si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir votre écran avec. Enfin, vous pouvez bouger en tenant le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vais vous faire foutre. Ok. Vraiment pas. Je vois que les livres stream entre elles, encore une fois. Eh, comment ça, reconnexion?
Oh ouais. Non! Putain, on y était pourtant. Le temps était fini? Bah non, il restait 5 minutes 40. 30. Bah ça nous a déco. Oh, ça dégoûte hein. En vrai. On y était. Oh ouais. On y était. Mais Kin, c'est pas ce que tu crois, Kin. Oh là là. Kin, mais qui est jaloux? Pourquoi, Karmok? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bugs? Bien plus que... Allez, on fait la chambre mortuaire maintenant. Mais on n'a pas fini la chambre! Bon, on va pas la recommencer du début, si? Bah, le but c'est de finir. Oh là là! Il y a des décos, on sait pas pourquoi! On la refera après, t'inquiète. Mais on l'avait! Ne vous inquiétez pas, on l'aura. Il y a des boules avec des numéros ici. Oh, il y a des poumons là! Oh là. Il faut... Mettez les vases sur les. Les petits ronds là! Ouais, mais il doit y avoir un sens, hein! Faut équilibrer les boules! Pourquoi tu fais ça? Nala, elle twerk là devant le. J'ai cassé un vase. Okay. Emma, on peut ouvrir. Il y a des trucs dans les vases. Il y a un jeton là-bas. Intestin grêle. Alors là. Rein. Poumon. Oh. Et vésicule. Estomac. Je suis en train d'ouvrir mon parchemin et j'entends vésicule, poumon. moi j'ai le parchemin. On est dans le même truc, je vois ta petite souris. Est-ce que c'est en rapport avec quoi? Je ne comprends pas. Non. Arrive pas. Merci Kirito, merci pour ton follow. J'ai des parchemins. Je vais péter un câble. Non. Bon, ça non. Oh, il y a des parchemins avec 8000 hiéroglyphes, je comprends ça rien. Ça me fait penser à Professeur Layton. Bien plus simple, Professeur Layton. Non, 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 non. 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 À quoi ça sert de ramasser des vases? Je comprends pas. Il y a encore un parchemin, attends. J'en vais mettre 3 le jour. Oh là, j'ai une clé. Qui une clé ça? Pas moi en tout j'ai cas. Une clé. J'ai une clé. J'ai une clé. J'ai trop de parchemin. J'ai une clé. Oui, bah, ouais, bah oui, 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 oui. Ça ouvre oui. Quoi? Elle est où? Un truc. Allô Ah, c'est les trucs où ils mettaient les organes, c'est stylé. J'ai des boules. J'ai des boules. Ah, mais c'est le coffre en fait. J'aimais trop l'Egypte quand j'étais petite, ok. Petit documentaire sur les momies, c'est très stylé. Couverte, la tête de babouin. Ça, c'est le couvercle. Chalice. Faut savoir quel animal il va sur quel organe. Je crois que j'ai ça. C'est dans les parchemins, je pense. Ah, c'est tout. Bah, regardez quel animal va sur quel organe. Le chacal, le chacal en baume. Le chacal. Comment je vois? Parce que j'ai 5 parchemins sur moi, comment je les vois tous? Sur les momies. Ok, ok, j'ai la team. Ok. Je suis tombée par hasard sur les vases de momification. Dans leur compréhension, elles représentent les 4 fils d'Horus. Ah les oui, voilà. Ils ont été gardés par Apsi, le dieu à tête de singe. Ah bah voilà, c'est tout ça. Tout le monde, singe. Ouais, mais non, là, on a que le piaf et. Le piaf, ah, c'est. Ah, si, c'est le singe. Le singe, c'est le poumon, t'as dit du coup? Ok, c'est ça. Ouais. Et le piaf, c'est quoi? Attends. Et représentant le nord aussi, je pense qu'il y a pas un truc avec. Si, il y a un truc avec les directions. Ah oui, il y a un truc avec les directions. Ok, j'ai. Oui, ok, d'abord on va faire ça. Le dieu à tête de chacal représente l'estomac. Tête de chacal, t'as compris. Et l'estomac, du coup, c'est le gros boudin. J'ai trouvé un jeton. C'est ma passion vase. Mais il va où le piaf? Vous allez voir. Le piaf, c'est. Le piaf, dieu à tête de faucon, c'est les tripes, c'est tous les estomacs et les. J'avais mis dessus. Ah bah c'est bon alors. J'avais mis dessus, je suis trop fort. Et bah les autres c'est bon. Le dieu attends, a pas les lunettes en fait. Ok, là il y a un code. Ok. Et moi j'ai des hiéroglyphes. Ok, représentant le nord. Le nord, sachant que le nord, on avait vu, le nord c'était. Il faut qu'on arrive à équilibrer les poids. Le nord c'était par là, donc c'est là. Ça c'est les poumons. Il est où le poumon? C'est lequel le poumon? C'est le tête de singe. Je l'ai déjà mis les poumons. On va le mettre là. Je peux pas cheater avec ça pour équilibrer le poids. Et l'autre c'était quoi on avait dit? Merde. Et l'autre, les tripes dues à tête de faucon représentant l'ouest. L'ouest. Qui
du coup, là-haut. D'autres poids. Et c'est bon. Ok, donc là... 1. Merde. Il faudrait d'autres poids. C'est impossible. Ah, moi, j'ai des... Thomas, c'est moi j'ai des boules. L'est. T'as des boules, mais j'ai fait 15 ans que je demande qui a des boules. Il me faut des boules. Mais j'ai des boules, mais y a des... si elles sont rouges et il y a des logos dessus. Donc c'est là. Ah, bah, je sais pas si ça marche. Alors, c'est pas les mêmes trucs, peut-être. C'est peut-être pas les mêmes boules, en effet. Voilà, ok. Next. Mais faut faire ça, en fait. J'ai mis les boules, hein, dedans, mais... Faut faire un carré à gauche et un L à l'envers. Vous l'avez fait, ça? Elle est où, la plaque? Faut faire un carré à gauche et un L à l'envers, en fait, et mon... Attendez, regarde. Les boules, les boules, vas-y, vas-y, image. Attends. Oiseau. Serpent, trait. Là, il y a oiseau, serpent, trait aussi. Voilà. Attends. Oui. Ok. Et ça a ouvert quoi? Je sais pas, mais il y a les pots de fleurs qui ont bougé. Ah, ah je m'en doutais qu'il y avait un truc avec les pots de fleurs. On se fout de ma tronche, j'ai vu tout à l'heure, hein. Mais il y a un truc avec les pots de fleurs. Alors là, alors là, il y a des symboles et c'est les mêmes que sur mes boules. Sans... Sur tes boules vous de... Sans vouloir vous manquer de respect. Bizarre. J'ai trois boules. J'ai trois boules. Et non. C'est oiseau, vague, serpent. Et c'est quoi les hiéroglyphes là? Putain, pourquoi on n'a pas la tête des pas, deux autres pas, là? Je sais pas, savoir dedans, ce que c'est les hiéroglyphes. Et il y a un truc à faire avec ça. Il y a même pas oiseau, est-ce vague. Est-ce que tu as déjà léché les. Oh, ça a ouvert le sarcophage! Oh! Personne dit rien! Bah, deux ailes! Deux peignes! Deux peignes! Deux peignes! Ça deux a peignes donné d'un un mec! Truc. Photo bah fake. Ça, les deux peignes, ils sont là, les deux peignes. Les gars, regardez ce que ça a donné. Ça a donné deux ça, peignes. J'en fais quoi? C'est quoi? Le cœur? Ouais. Faut le mettre où? Bah, pour le moment, on sait pas en vrai. Parce qu'il faut le mettre. À la poubelle. Pourquoi il est. Ah, dans le monsieur là, il a la main rouge. Faut lui me donner le cœur, non? Ah oui. Oui, oui. Ah oui, parce que s'il fait la oh balance. Ah oui. Oh oui. Et normalement, du coup, dans l'autre main, il faut lui mettre une. Il faut un truc doré. Ok. Ah. Ok. Merci beaucoup pour le follow, ping. Shigaraki. Merci beaucoup. On peut zoomer. Comment ping? Oh, t'as ping. Oh, ping. La gueule, toi. Pardon. D'accord. Bah, on s'en rappelle. Non, mais c'était pas vous. Non, mais. Et moi, j'ai des boules avec des logos qui correspondent à là, mais je sais pas à quoi ça sert. Je sais que personne n'en a envie, mais je pense qu'il faut lire les parchemins. Ah oui, non, moi je peux pas les lire, c'est des hiéroglyphes. Bah oui, mais t'as cru que je parlais le hiéroglyphe. Attendez, là... Attendez, parce que j'ai une pelle en vrai, ça doit peut-être servir à quelque chose, non? La pelle. J'ai l'impression que c'est that des way. Faux indices, les hiéroglyphes. Bah ouais, moi aussi, mais... La pelle, je pelle, je pelette. Oh! Et c'est quoi avec ça? Bah je sais pas ce que c'est. Ça c'est les logos qu'il y a sur mes boules. GG. Mais... Ah là. Bon ça c'était sans où les boules. Tiens, je te montre mes boules, elles sont là. Elles sont où? Attends, merci. Ok. Tu vois? Oh, je sais, faut comprendre combien elles pèsent, je pense. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'il faut peser ah les oui, boules. Ah oui, avec ça. Mais pourquoi ouais. Ça va nous servir à quoi de savoir ça? Parce que ah, comme ça, ça donnera oui. Un numéro. Regarde, les faut qu'on comprenne combien elle pèse. Non, voilà, un moins. Attends, enlève. Vas-y. Est-ce non. Qu'il y en a un dessous? Voilà. Ah. Ok. Et donc, une rouge, c'est deux noirs? Non. Bah non, faut que ce non. Soit pile égal. Ah là, oui. J'ai un. Moi, j'ai un. Toi, t'as combien? Deux? Attends, ah non, vas-y, quatre. Mets. C'est trop lourd ce qu'on a là. Mets un ouais. Petit. Attends, là. Je mets. Wow. Un petit, t'es sûr? Est-ce que si je mets juste le plus gros? Merde, ça le pose là. Attends, ouais, si... Non, attends, le plus non, gros, Emma, il pèse Emma. Trop. Mets un des deux petits, là. Attends, un moi, seul lui. Gros, c'est trop. Mets un seul. Mets le okay. 1. Ok. Je mets 1. Voilà. C'est de la merde. Ok, mets le 6. T'es sûr? Enfin, le 5. Et si on met une noire et une rouge? Mais non, les rouges, c'est pour mais savoir non, combien elles pèsent. Mais non, les rouges, pèsent. C'est celles qui doivent peser. Voilà, oui, voilà. Oh. Donc, ça fait combien? Merde. Ça fait 5 et 1. Ça fait 6. Ok, donc, c'est la vague. Ok, donc... non, c'était vague, oiseau. Ça fait... Non, c'était oiseau. Ah non, c'était oiseau. Non, c'était la vague. Non, c'était oiseau. Ah bon? Je viens de la ramasser, c'est oiseau que j'ai. Ok, bah alors maintenant la vague. Ok, la vague. C'est toi qui as les boules noires. Oui, non, c'est pas ça. Mais ça peut être quoi? C'est un sceptre qu'il a dans la main, là.
Ah, c'est peut-être la pelle. C'est deux, la vague. Oh, c'est le Calice. Ok, deux. Merde. Non. Coucou, bah. Calice. Deux. Bah. Si c'est pas le Calice, je me trouve le cul, là. Littéralement. C'est une blague. Ok. Tu veux une pelle, mon grand? C'est une plume, non? Pourquoi une plume? Ah oui, c'est vrai que ça ressemble pas du tout, en fait. Bah, je c'est sais quoi, pas, là. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de sens. C'est rien de ce qu'on a là. Là. Est-ce que. 1 et 2 ? C'est entre, j'arrive pas à choper le bon compte. C'est peut-être. C'est entre les deux. C'est peut-être. Entre 1 et 2 ? J'ai pas entre 1 et 2. Enfin, non, mais je veux dire, c'est. Bascule. Genre, attends. Mets au pif et puis. Non. Oui, voilà. Ouais, trop fort. Et du coup, le chacal, c'est quoi? Là, il faut savoir, il faut savoir. Alors, attendez. Le chacal, c'est... C'est toi, le chacal. Chacal, c'est l'estomac, c'est le petit haricot. Et pourquoi il y a deux peignes dedans? Ok. Non, c'est l'autre, c'est l'autre. Ah bah, ça va voir. Ouais, ok. Putain, il nous en manque un, il reste 4 minutes. Mais regardez là, il y a le même symbole que dans le sarcophage. Il y a deux espèces de peignes et là il y a un peigne à droite. Il faut qu'on trouve un espèce de peigne bah à oui, mettre dans mais... sa main gauche. Le peigne. Je sais pas les pièces. Faut faire des offrandes à quelque chose, c'est sûr. Je fais des offrandes. J'ai une boussole, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ouah, c'est. Et les jetons, ils servent à rien. Non, je crois que c'est juste à collecter dans les maps. Et le sarcophage, enfin ce qu'il y a en dessous du sarcophage, c'est déjà fait, c'est ça? Ça a été fait, ouais, ça a été fait. C'est okay, ça okay, là okay. Ça on n'a pas fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, d'accord. Il y a les deux peignes, hein. Mais ils servent à rien les parchemins, il y a juste des hiéroglyphes du coup? Bah, ça, en vrai, ça m'étonnerait quand même. Que ça serve à quelque chose ou que ça serve à rien? Il y a une momie. Momie. Ah. Ah putain, c'est chaud! Eh, c'est vraiment dur. Hein. C'est... Attendez, il y a une pelle là en haut. 3 minutes! Oh là là là. Il y a les deux peignes. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'on passe? Merde. Oh, je me perds dans les touches. Mais est-ce que ça veut dire un truc là? C'est sûr que j'aurais cru qu'il est là dedans. C'est vrai, Mathieu? Mais c'est super dur, hein. Il nous manque juste ça en vrai. Lui, il nous est donne là dedans, la dernière tête en fait. Sur quoi faut appuyer? Et ouais. La dernière tête, elle est là dedans et c'est win. Mais il nous reste plus de temps. L'indice? Ta. Elle a disparu, les deux la peine. Oui, bah les deux peignes. Attends, pourquoi il y a un pied de biche? Pied de biche? Moi j'ai un pied de biche, moi. T'as un pied de biche? Ouais, c'est avec ça que j'ai ouvert les deux caisses là. Attends, regarde, regarde ça. Tu veux pas les biche? Ouais, merci Popcorn! Ouvre la boîte là, direct, non? Il faut que je pète. Là, c'est pied de biche, faut que je pète les sarcophages avec. Oh là 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 là! C'est un scarabée. Un scarabée, ok. Et un lion. Scarabée, lion, peigne. Oui! Let's oui, go! Oui. Go! 1 minute 43, let's go! Oui! Peigne? Oui! Peigne dans sa main? Ok! Oh oui! Let's oui! Go. Et on a été trop fort là! Il restait combien de temps? Je me disais bien que tu m'avais déjà follow, what the fuck? Il restait combien de temps? On n'a pas vu? On peut pas savoir combien de temps on l'a fait? Il restait 2 minutes et quelques, je pense là. Hein. Ah non, il restait 1 minute 15, je crois. C'était tendu. Oh, c'était tendax en max en vrai. Mais merci pour les GG. Bien joué. Oui. Ouais, bien joué à nous. Prochain épisode. C'est pour les GG. Ah, vous voulez... ah merde. Et coucou Maria, comment ça va, coucou Shooties? Comment ça va, coucou SE qui arrive? Comment vous allez? Je peux pas revenir en arrière là. Cool. Ah, je sais pas, il y a une touche pour ping. Sorry. C'est quoi la touche pour ping? Ok. Bah, je sais pas, parce que toi t'as ping et t'as pas ping. Oh, il y a plein de choses là. Radio, cahier de notes. Ok. Il faut mettre tout dans un bol. Où est-ce qu'on a un bol? On met dans du riz. Il y a un bol quelque part?
Au pétard. Ok, là, il y a des disques. Où elle sert, la pioche? La pioche, elle sert... Attendez, je peux utiliser la pioche pour ouvrir la caisse. J'aime bien casser. Merde, j'adore casser les vases. Ça fait des vases, des vases. On peut les lancer pour les casser. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Baked beans. J'ai des beans. À quoi ça sert? Je cache tout. J'ai trouvé... J'ai... T'as quoi? J'ai lancé un vase et il y a un truc dedans. C'est un, une espèce non, de broche. Non, je sais pas du tout, Mathieu. Il y a un logo, hyper connu, là. Attends, mais vous voyez quand je l'ai dans la main, comme ça? Ah, elle est entre-ouverte, je peux l'ouvrir, peut-être. On verra pas. Oh, un jeton. Ce n'est pas un ouvre-boîte, c'est une cuillère! Quelqu'un a un ouvre-boîte? Non. J'ai une pioche? Dommage. Si ça. Mais je veux casser le vase. Il faut maintenir clic gauche et après, ouais. Putain, y a que de chi dans cette room là. J'ai plein de boîtes de haricots moi. Et peut-être c'est un ouvre-boîte hein, ce que j'ai. Ah non. Artefact en or. Non, c'est pas table. Ok, rien à voir. J'ai une clé? C'est juste pour un jeton là, vraiment? C'est pas ça. C'est peut-être celui-là? Ok. J'ai un corlis. Il va se passer un truc, il y a une ligne là. Il y a pas un truc d'eau quelque part, on entend l'eau couler. Vous connaissez le... Ça ne sert à rien, donc pas de symbole. Pas de symbole. Ouais, c'est de l'autre côté. Ah, genre le coffre là, il y a la petite clé et tout? Ok. J'ai récupéré un carless, je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi ça, pin? Attendez! C'est quoi ça? Il me faut quelqu'un avec moi là. Oui? Faut tester un truc. Est-ce que ça marche si on descend les leviers en même temps? Parce qu'il y en a deux. Ah ouais, vas-y. 3, 2, 1, go! Ok. Ah merde, j'ai raté. On refait. 3, 2, 1, go! Non. Ça fait rien. Oui, il est payant, il est à 15 balles, sinon 10 balles sur un stand gaming. Il y a un jeton là. Ah, la vie de ma mère, je sais pas quoi faire. À quoi ils servent les jetons? Ah oui, celle-là elle est plus compliquée, il y a 11 minutes. Enfin, là il reste 11 minutes, mais vraiment. Attends, là il y a des cadres. Mais il y a plein de numéros, ça n'a pas de sens. Là aussi. Mais là il y a une ligne, il y a un truc, il y a une ligne au milieu de la pièce, genre. C'est peut-être ça, non, c'est ça? Pied hibou. Un jour il y aura un truc avec les pots de fleurs. Pied hibou. Hein? Pied hibou. Mais moi j'ai une sorte de cuillère. Pied hibou, ok, ok, pied hibou. Truc bizarre corbeau. Et. J'ai une tête de chèvre. Vol lion. Ça sert à quelque chose une tête de chèvre? Non? Yes. Je sais pas. Terminé un puzzle. J'ai une clé de coffre. Ouvre, c'est celui-là, c'est sûr, ouvre. Ah oui. Ouais, c'est quoi? Oh, un piaf. Ok, là c'est les couleurs, c'est les couleurs. C'est pour ça là. C'est pour. Non. Ah ok. Ah, non, oui, c'est combien? J'ai un deux piaf bleus, doré. Deux. Il y a trois rouges. Trois rouges, deux bleus et cinq blanches. Okay. Oh let's go. Oh là on est incroyable tête de là. Truc. Moi j'ai un piaf doré. J'ai passé 10 heures dessus entre les maps officielles et les... Ah oui, okay. Les maps workshop. C'est gratuit ça? Ah oui en fait. Ok, donc t'as un artefact en or et moi j'en ai 4. Donc ça fait 5. 5. 5 artefacts en or. 5 artefacts. J'en ai un moi, j'ai un truc là, je sais pas à quoi ça sert. 5 artefacts en or. Ça doit servir à quelque chose ça. J'ai aussi des boîtes de haricots. Et je sais toujours pas ce que c'est. Artefact en or. Non mais mes boîtes de haricots m'intriguent, j'ai envie de m'en servir là. Et ça c'est quoi déjà? Ça c'est...
Ah, on peut casser les bols. Ah, trop bien, on peut les pin. Oh, c'est incroyable. Dans tous les mois, il y a des maps élues de la commune en mode les meilleurs, mais c'est trop bien. Nom 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 nom. Et je jure, tu joues tous les mois. Oh nom 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 nom. Regarde Kevin ce que j'ai dans les mains là. Non, tu peux pas voir ? Non. Si, regarde, là. Ouais. Attends, si tu bouges pas. Je sais pas à quoi elle sert la rune au milieu là. C'est quoi ? Ok, les 5 artefacts, faut les mettre dans un bol. On a les 5 artefacts, il faut le bol. Il faut le bol. Où est le bol ? J'ai une boîte de haricots vide. C'est pas un bol. Salut Akramis, comment ça va ? Il reste des mais ça ressemble pas au bol. Ça ressemble pas au bol. Bah, enfin, c'est pas mal pour toi. We need to find the bol. Comment ça trouver un bol ? J'espère que c'est pas un truc qu'on a pété. J'ai joué avec mon ex, du coup j'y joue plus. Ah oui. C'est pas un truc qu'on a pété ? Parce que moi j'ai tout pété, mais Non, c'est pas un truc qu'on a pété, c'est pas un truc qu'on a pété. Bah non, un truc qui nous est important, on pourrait pas le péter. Ah, c'est... Merde. Il y a des ronds, des carrés et des triangles dans pêche. C'est pas à l'intérieur, là, non. Hein. Ah non, il y a un jeton, là. Non, il y a pas la place, là. Non, non. Eh, mais appuyé ça... T'as appuyé sur l'indice, Emma. Ah, ah, c'était l'indice. Ah, c'était bah, l'indice. Bah oui, un point d'interrogation. Ah, elle fait exprès, m'énerve. Putain. Oh, elle Emma, a appuyé sur l'indice. C'est quoi l'indice ? Emma, il reste 7 minutes, on a le temps. On a le temps, mais je commence à stresser. Mais Emma, 7 minutes, tu te rends compte comme c'est long ? Non, mais regarde. Ah ! Non, bah oui, pas. Mais tiens, hey, j'ai un éclair de génie là, la team. Regardez. Non, je m'en fous. Si Kevin regarde devant toi, les bandes blanches. A... Oui, il a une bande rouge. 2 et 4, ok. Maintiens le levier sur 2 là-bas. Deuxième trait rouge. Bon, là, t'es au 3, bon. Emma. Emma, t'es au 3 là. Non, je suis au 2. Je t'assure que je suis au 2 sur mon screen. Clairement au 3. Clairement au 3. Mais non, mais. Sinon, je reste au 4 et c'est plutôt toi qui est. Vas-y, va au 4 et moi je vais au 2 parce que t'as pas l'air. Attends, mais non, là, lui, il est au 2. En bas en fait. Voilà, tu vois, quand on met au 2, ça marche. Oh oui. Et voilà, le bol. Oh, je peux faire cuire mes haricots du haut. Ah, attendez, je peux faire cuire mes haricots. Non, faut mettre le piaf, faut mettre ton piaf en or. Nala, arrête avec tes haricots. Nala, vite, mets ton piaf en or. Il est où? Je l'ai pu. Il est là. Mais je posais. Mais je maintiens que je peux faire de la soupe. Oui, allez, super, ta soupe. Oh là. Ah oui, enfin. C'est haricots. J'ai perdu ma cuillère dans la lave. C'est pas grave. Ça sert vraiment à rien. Oh, les haricots servaient à rien. C'était 18h30 le stream. Pourquoi t'es autant en avance? Alors, déjà, quand j'ai publié le planning, j'avais dit ce sera 18h au lieu de 18h30. Et en plus, là, j'ai tweeté à 15h quand j'ai lancé le stream. Donc, tu peux pas. Hein, ah, bah, bravo. Oui, attention, les tweets, c'est super important. Les viewers qui super accrumus, merci. Regardez ma perso, je suis anéantie. Grand-mère, elle est trop mignonne. J'avais oublié que j'étais vert. Je suis obligée de faire dans l'ordre les épisodes, donc on reviendra au. C'est trop au marrant début, ce jeu, n'empêche. Oui, j'aime bien. C'est trop marrant. Et dire qu'on a gagné ce truc sans indice quand même. Bah, en vrai, un peu, parce que j'ai regardé au même moment avant que tu m'en parles. En vrai, un peu. Oupsie. Ok. J'ai cassé le squelette. Fais pas ça. Non, t'as dérangé Jerry. Oh. Je vais te faire taper. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Argent! Ok. Bon, ça, je pense que c'est pas un truc qui marche. Ah, j'ai mon équipe grave. Ok, l'histoire de Monsieur Chameau. Ok. L'histoire de Monsieur Chameau. Qui c'est qui veut venir faire l'histoire de Monsieur Chameau avec moi, s'il vous plaît? Allô, monsieur. Oh. Ok. Hein? Ok, viens faire l'histoire de Monsieur Chameau avec moi, Kevin. Comment ça, l'histoire de Monsieur... Okay. Je te lis l'histoire et tu dois la faire. Ok. Comment ça? Alors, l'histoire de Monsieur Chameau, le malchanceux. Quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire vers la gauche, Monsieur Chameau soleil... dans l'ouest...
Vers la gauche. Monsieur Chameau dans l'oasis boit pendant que Monsieur Scorpion se cache dans la pyramide. Monsieur Scorpion dans la pyramide. C'est bon. Je vais pas le mettre dans la pyramide. Oui, les bruits sont absolument ignobles. C'est par bon. Contre, je le dis. C'est bon. C'est bon. Maintenant, quand le soleil se couche, Monsieur Chameau près de la pyramide dort. Donc le soleil se couche, c'est le soleil est au milieu. Mais non, mais attends, mais ça sert. Enfin, je veux dire, comment je valide? Parce que là, en fait, je sais pas à quoi ça sert le truc au milieu là. Je sais pas dans quelle ça position n'a pas de ça sens, je peux pas désélectionner ça. Mais je... Ça, ça fait une sorte de Simon, mais il est incompréhensible. Ah, je sais pas. Que... Ah, vous. Moi, j'étais carrément partie dans l'histoire là. Appelez Kev. Kevin. Ouais. Ouais, parce que je pense que pour faire chaque étape de l'histoire, faut valider chaque étape une par une. Mais comment on valide? Mais ça, comment ça... Oh là là. Oh. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, c'est validé là, non? Regarde, c'est jaune en dessous. Non? Ah oui, bah, ok, deuxième étape. Deuxième étape. Ok, ok. Alors, attends, je ressors mon cahier. Attends. Là, son petit cahier de... Quand le soleil se couche au milieu. Oui. Attends, mais le soleil, il est où là, Kevin? Là, il est au milieu. Ah ouais, mais du coup, c'est pas... On n'a pas fait celui du début alors. Si. Première étape validée. Bah non, mais... Ça, c'est la deuxième étape, pas la première. Parce que la première, c'est le soleil, il est à gauche. Oui. Mais c'est bon, il est validé. Hein? T'inquiète, dis-moi la deuxième étape. Quand le soleil se couche, donc le soleil est au milieu, Monsieur Chameau près de la pyramide d'or. J'ai cru voir un truc de zinzin. Y'a des scarabées. Ouais, y'a un scarabée qui passe. Et Monsieur Scorpion rôde dans l'oasis. Y'avait un jeton sur le scarabée, on rôde dans l'oasis. Ok, on est bon. C'est bon, ça a été validé. Ouais, ouais. Oui, ça a été validé, ok, let's go. C'est bon, c'est bon. Et finally, quand le soleil se lève, donc tout à droite, ouais, ouais. Monsieur Chameau dans les dunes de sable se fait piquer par Monsieur Scorpion. Dunes de sable, ok, tac. Oh là! C'est bon. Mais c'est... J'ai une boule. De quoi ça? Ah bah arrêtez de me donner toujours les boules à moi, c'est fou. À mettre là au milieu peut-être. Ah bah oui, bah je pense bien, oui. Regarde. Ah je pense pas en fait. Et si je la pose ici? Ah oh, oui, oh. C'est clairement à mettre dans le truc à couilles là. Des poses couilles. On appelle ça les poses couilles. Y a pas de logo dessus. J'ai une boule de pétanque, y a rien. Pas de logo, comment on identifie le log? Oh, y a tellement de trucs. Non, mais ils sont temps, trop durs à comprendre. Il reste plus autres. Que 10 minutes. Quoi? Et lui, il est cassé. Ah non, il est de travers. Ah, lui, par contre, je l'ai. Hop. Ça fait une combinaison. Mais okay. Elle est trop bizarre la combinaison. Juste tac. Non, mais là, il faut regarder. Tac. Et moi, j'ai une boule tac. Bleue au fait. Tu peux la poser là-dedans, okay, genre, ça ou commence, pas ça fait tac. Oui. Ah bah voilà, ok. Il doit y avoir des couleurs. Oh, elle vole un tout petit peu. Là, elle vole un peu plus. Ça te donne l'intensité. Et, du Nala, vol. Regarde. Ok. Ouais. Tac. Oh là, elle était jaune. Ah oui, elle était pile au milieu, j'avoue. Il y a un petit scarabée qui est sorti. Ok, vous avez d'autres boules? Ici. Kevin, t'as des boules de couleur? Oui, il a une. J'en ai une rouge. Tu peux me donner, s'il te plaît? Tiens, je la pose par terre. Merci. Tac. Tac. Bon, elle est lourde celle-là, il faut la mettre la deuxième. Ah oui. Okay. Et okay. Ici, du coup, je pense qu'il faut juste suivre ce pattern-là. Au-dessus. Ouais, mais lequel? Vu qu'il y a trois symboles à chaque fois. C'est ça qui est chelou. Le truc c'est que je peux pas cancel.
Ça doit être les côtés. T'as vu, tu peux pas cancel, c'est trop bizarre. C'est en fonction de. Ouais. Peut-être que moi si j'attends je les scarabées. Ça va marcher, non ? Morceau de vase, vase, gobelet. Non, il a plus. J'ai une pioche, j'ai pas regardé si elle pouvait servir à quelque chose, ma pioche. Ouais, ça. Mais oui. Faut non, que tu pioches. En vrai, Kirito, je... Donne la pioche, tu veux. Bien, vas-y, mais j'ai pas où je vais piocher. Des choses. Là. J'ai une lanterne aussi. Alors. Lampe à huile. Ça peut servir lion, à quelque chose. Hibou, lion, hibou, hibou. Comment on fait pour piocher un endroit? Ah, tu peux pas vraiment piocher en fait, il faut juste. Normalement, elle se clipse quelque part, genre ça va te. Mais il y a littéralement voilà. un bloc-notes. Ah, c'est ce que vous utilisez tout à l'heure. Ouais, je. Là, c'est le hibou. Non? Non. Comment t'avais fait pour piocher? En fait, ça se clipse dans un endroit. Si ça va dans un endroit, ça va se clipser tout seul. Et après, il y a aussi des endroits où ça sert peut-être à rien. Genre, il y avait des pelles dans les deux dernières maps et ça ne servait à rien, les pelles. Ouais. Ça ne fait aucun sens. Là, j'ai cru que je pourrais péter. Mais non. Ouais, ça me casse le cerveau. Oh, moi aussi. Et merci, une lampe. Kirito, merci, merci. Et vous, ça donne quoi? Je peux allumer la lampe. Bah on sait pas. Qui a appuyé? Emma. Ah. Oh Liv, tu commences, ça va? Emma, t'as. Ouais, Emma, c'est dur là. Appuyé sur mon truc, elle s'est barrée. Ouais, bah moi je. Pingué? Pingué. J'ai pingué? Oui, tu pingues toujours, mais on sait pas comment. Waouh! Ouais. Y'a la lumière! Oui, oui, c'est, oui ça doit être l'orbe dans lequel on fait, mais tout à l'heure on y arrive pas. Ah. On peut pas mettre, on peut pas désélectionner une fois que c'était sélectionné. Oui. Je me disais bien. Ah bah j'ai juste un jeton. Oh, ça me détruit le cerveau. Je comprends rien. Et ça aussi, j'essaie de comprendre, mais j'y arrive pas. Alors le petit tipi avec le pied. Tipi-pied. Tipi-pied devant ambassade à mer. Non, c'est là. Il est trop dur, lui. Ah bah c'est alors. J'ai juste un jeton avec ça. Tipi-pied. Tipi-pied. On prend rien. Mais c'est surtout ça, genre. Ah si, attends. Oh, j'ai mal à la tête. Carré. Wesh. Et oui, c'est un escape game, c'est trop cool. Mais on a que deux boules déjà, je comprends pas du coup. Il y en a une là en fait. Ah oui, il y en a bah, une les deux là autres et la dernière boule, elle est où? Attendez, pourquoi il y a des boules qui viennent de se lever. Oui, c'est moi. Je les ai mis pile à la bonne hauteur et il nous manque les deux autres et je pense que c'est la fin. Regarde, elle se lève. Wouah. Mais il nous faut celle-là, là. Ah, t'es des game master, Mathieu? What the fuck? Qui est carré et rien. Et je pense qu'il doit y avoir un ordre en fonction de comment il est mis le truc, parce que là il est à la verticale, enfin à l'horizontale pardon, là à la verticale, là en diagonale. Bah ouais. C'est à n'y rien comprendre tout de même. Merde, c'est pas tout le monde. Est-ce qu'il faut les faire un par un? C'est incroyable. On va faire un par un, le pharaon. Le chacal tout seul. Lion, hibou, hibou. Lion, hibou, hibou. Lion. Lion, hibou, hibou. Hibou, lion. Mais je comprends pas, il y a un sens sur mes. Pharaon et piaf. C'est en fonction des faces du dé, mais je sais pas comment. Coucou, Attel. Go pour le jeu. Ah ouais, nous on y va. Piaf tout seul, heure. Pardon, mais là ça commence à me. Nous on a pris le battle pass, ouais, c'est ça que vous voulez dire avant tout seul. Et maintenant. Pas ça... mal du tout. Bah, attendez, mais les os là, le crâne et tout. Y'a un jeton c'est sous le crâne. Possible. Oh, ça va,
Ce n'est pas possible. Je vais me tordre les boyaux. Boignac, comment ça va? Bienvenue. Je suis à deux doigts de me foutre en l'air là, je vais pas vous mentir. Ça fait comme un Simon. Il reste 3 minutes. Oh là là. Homme, chien. Homme égale chien. Allez, je vais péter l'indice parce que ça commence à bien suffire. Non, j'en ai un. Oh, Kevin. Ah, moi ça m'indique juste ça là. Ça dit quoi? Ça m'indique juste le mec du milieu. Il faut juste mettre le mec du milieu. Juste le homme chien. Ah, c'est homme chien. En premier, c'est homme chien. Homme milieu chien. Parce que c'est ce qui est écrit sur mon indice. Attends, moi, mon homme, indice, chien. C'est que le mec du milieu. Hop, on va faire au hasard. What? C'est vraiment pas fait pour nous, hein. Mais ah si, j'ai compris. Quoi? Ok. Attendez. Okay. Homme, chien, chacal, ah oui, normal. Oiseau. Homme, oiseau. Oiseau. Genre, pharaon. Homme, chien, oiseau. Chacal, homme, oiseau. Merde. C'était lequel après déjà? Oiseau et chien. Oui! Oh là là! On est si bête! On est trop chaud! Oh, ah! Attendez! Deux salles, deux ambiances! Ok, il nous manque une boule. Ah, il nous manque plus qu'elle. Je sais pas putain. Si elle est au bon endroit, elle. Homme égale chien. Ok, une boule! Mais j'ai toujours rêvé de faire le Game Master. C'était énorme de se foutre la gueule des gens. J'aimerais ok, il nous manque. Elle est où la dernière boule? Elle est là? Elle est là, ouais. Oh merde, c'est le truc que j'ai essayé tout à l'heure et je comprenais pas, j'ai abandonné. Oui, je comprends rien non plus. Il reste une. Attendez, ça me dit qu'il y a un triangle. Vous l'avez déjà trouvé? C'est vous qui les avez placés, les triangles là? Oui, je l'ai placé le triangle okay, en okay, bas. Ok, là, j'ai un indice qui me disait où trouver un triangle, donc c'est chiant. Bah, il était sur le sol littéralement, donc. Oh, 1 minute 30, on va jamais y arriver, ok. Attends! Moi, il y a le logo là qui est sur le quatrième triangle compris, là, il est en rouge. Comment ça, t'as compris? Attends. Vas-y, ok. Attends, chut. Tu crois même? Chut. Ça va, je sais pas quoi faire. Lance des trucs dessus. Et vous me lancez des trucs dessus là, vraiment? Comment tu alors fais? Que j'essaye de faire quelque chose, ah je sais oui. pas, je tente un truc, mais en fait, non, j'ai l'impression que ça marche pas. Non, c'est de merde. Bah, super, elle nous fait perdre notre temps! Mais oh, j'essaye, 45 secondes! J'ai un indice, j'ai un indice! Parce que ça montre l'endroit. Je comprends où pas ça l'indice! Va, mais... Emma, regarde l'indice! J'ai mis par terre! Merde, j'ai trouvé le... C'est l'os! Prends l'indice! Non, il est devant l'os! Oh, vite! 30 okay. secondes, Emma, 30 secondes! 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1. Qu'est-ce qu'il y a pour la win? 1. Non! 3. 14 secondes! Hop là, hop! Tipeee et ça! Hop! Hip hop hop! Hip et hop! C'est et voilà! Et il reste 4 secondes! Ah non! Non, on était si près du but là! Tipeee ça, oh, carré! Celle-là. Ça, pipi, ça, carré, ça. Il se passe rien. On meurt du coup? Oh non, on peut continuer ah, à jouer. Ah, mais en fait, non, je pense que c'est juste qu'on doit continuer à jouer. Non, mais vous êtes chiante, vous avez bougé, ce que j'étais en train de faire. Tipeee, ça, carré. Mais il fait n'importe plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, ça c'était marche ça pas normalement. Du tout. Arrête de tipeee, mentir, c'est ça. Juste pas ça. Ah non, Tipeee, ça, chien? Non, Tipeee. On est quoi? Tipeee. Mais arrête de gigoter dans tous les sens. Tipeee. Tipeee. Remonte l'indice, Emma, vite fait. Attends, là c'est pied. En haut c'est pied. Bah il y a pas. Il y a pas. Là, il y a peut-être pied là. Il y a pas pied. Mais attends, parce que Emma, remonte l'indice parce que ça montre dans quel ordre ça correspond à quoi. Regarde avec moi. Regarde avec toi. Le nombre de combinaisons possibles. Ok. Attendez, poussez-vous, j'essaye. Ah, on a juste pas gagné, d'accord, ok. Oui, ah, en gros, on peut la finir, mais c'est juste, on n'aura pas le. Attends, parce que du coup, le deuxième correspond au dernier. Donc.
attendez, touchez pas, je fais un truc. Oh, toi, hein, ça va. Touchez pas. Deuxième correspond au dernier. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc en gros... J'essaye un truc. Touchez pas. Oui, le deuxième correspond au dernier. Donc, il faut trouver... Le premier correspond... Le premier triangle, là, en haut à gauche, correspond au troisième losange. Du dessus. Donc... Troisième losange? Oui. Tu l'as, là. Je sais pas comment on ping. Merde. Je l'ai jeté. Donc... Attends, j'ai jeté l'indice. Pied... Premier, 3. Mais non, mais pourquoi... Hein? Si tu changes, premier... je te casse la gueule. Je comprends rien à ça. Premier, 3. 2, 4. Alors qu'en vrai, si on essaye de passer ses doigts... Pousse ta tête! Merci, pardon. L'attente... Bah oui, mais je crois bien, hein. Je crois bien qu'ils nous ont dit en erreur, hein. Parce le que là... Attendez, je tente un truc, ok? Mais je comprends pas pourquoi il y en a un en diagonale, en fait. Celui en diagonale, il me... Non, c'est oiseau, je pense, en... là. Attends, j'ai presque fini. Si c'est pas ça, tu fais après, si tu veux. Parce que ça se trouve... Ça fait 20 minutes qu'elle est dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? Laissez-moi. T'as touché un truc? Ah non, c'est pas toi. J'ai rien fait. Je suis agressé, j'ai rien touché. Ah, mais je pense qu'en attendant, on est d'accord qu'elle dit qu'elle est en train pour... de faire et que depuis tout à l'heure... Oui, on va boire un coup. Je fais des trucs, ok? J'essaye. Attends, moi aussi j'avais Moi je suis pas là pour souffrir, hein, donc. Bah, je trinque avec ça, moi. Super. Ah bah. Oh bah oui. C'est Jerry. Le mec qui trinque avec nous. Tiens, prends Jerry. Hop. Non, je l'ai pas attrapé, putain. Comme ça, il boit. Bon, c'est Jerry. Ah oui. Quelqu'un a touché un truc. Non, c'est bon. Non, on est en train de se lancer des trucs derrière. On touche rien. Tout en fait mauvaise. Non, j'adore. Ok, putain. Non, il y a une couille dans le pâté. Eh ben, tu peux me repasser l'indice que t'as pas, en fait. Tu peux me passer l'indice que t'as. Au pire, je lui mets un petit chapeau et je puis... crois qu'il m'a induit en erreur. Mets-le par terre. Au feu, le chapeau. Je sais pas, en fait. Oui, un chapeau sur le feu. C'était quoi ton cheminement de pensée là pour en arriver à là? Allô? 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 C'était quoi ton cheminement de Allô pensée? Je sais pas, j'essayais de faire par rapport à la position des trucs vu que ça fait... Et le deuxième c'est le quatrième, donc c'est carré, c'est bouts c'est de bon. Ça quoi. Ensuite... Ce qui est fantôme, spirale, lion, hibou, ça, c'est le ça c'est le troisième. Et c'est quoi l'indice? Là, c'est le problème. Tiens, l'indice, ça. Merci. Alors, j'ai un nouvel indice. Hein? Mais c'est pas du tout. Merde, je l'ai loupé. Ok, c'est ça. Donc le premier... A, 3, 5. C'est celui-là. Hmm? Donc... Non, c'est celui-là. Carré. Ah, là, c'est pied. 2. Là, c'est... Non, là c'est ça. Carré, ça. Et pourquoi c'est ça? Mais... Pourquoi c'est ça? Parce que si on le met là. Carré, non, carré, ça. Mais ça te dit que le deuxième et celui d'en bas à droite, ils ont un lien. Oiseau. En fait, je pense que ça sert à rien qu'on touche à ça là. Ça. Au dé qui tourne. C'est le rouge carré. Qu'il faut. Mais c'est non. Justement... Yeah. Non, non, c'est la ficelle en premier. C'est la ficelle en premier, Kevin. C'est censé... C'est sur l'indice, putain. Quel indice? Celui que j'ai dans les mains. Mais manque ça, pas, surtout. Ficelle en premier.
Mais non, regardez, parce que venez voir. Oh là 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 là. Là, le nouveau, le dis pas. Ficelle. Je viens de le dire. Oh là là. Bon, et eh ben ficelle. Alors pourquoi ficelle? Nala, attendez, ficelle. J'ai un truc. Bon, je sais pas, ça marche pas. Ficelle, c'est ça. Bon, je sais pas. Donc. Mais non, ficelle, c'est ça. Mais un symbole sur les. Ben oui. Comment ça, les carrés? Y'a pas de carrés. Ah, mais le, du coup, c'est le seul qui manque. Bah oui, mais. Attends, montre ton indice. Ficelle. Non, c'est pas le seul qui manque parce qu'il manque plein sur chaque truc. Attends. Ficelle. J'ai droit d'y tourner? Bah, pas le premier. Oui. Le carré de boule, Anger, c'est pas. Hein? Ça, c'est des pyramides. Y'a que sur celui-là qui a ficelle en plus, non? Bah oui, oh ma zette. C'est si compliqué! Mais alors pourquoi ce serait ficelle? Ficelle. Je vais essayer de deviner pourquoi c'est ficelle pour le premier. Parce que. Ah ok, ok, attendez! Attendez, j'ai, ok, j'ai un indice que je comprenais pas depuis tout à l'heure, mais là, le ficelle. Ok, j'ai compris. Okay. En gros, rampe de skate plus carré plus plume. Ça fait ficelle. Oui. Vous voyez, là, rampe de skate plus carré plus plume, là, ici, là, en dessous, là où je suis. Oui, oui, oui. Ça fait ficelle. Donc. Ficelle. Ficelle. En partant de là, on peut se dire que. Ficelle est égale à carré plus carré. Rampe. C'est horrible. Carré. C'est abominable. Carré. Ou s'il va nous faire des maths avec des seins. Non, mais là, il est parti très loin. Carré. Là, carré plus pied. Tipeee. Carré pied Tipeee. Ça fait. Tipeee rampe skate. Plume. Plume skate. Oh là 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 là. Mais ça va pas du tout. LOL, c'est Égypte. La rampe de skate carré plume, c'est Égypte. Alors pourquoi ce serait ficelle? Pourquoi ça, le deuxième là, c'est ficelle? Parce que, moi je vais vous le dire, si on met le carré au milieu... Ah, j'ai compris! Quoi? Regardez, ficelle, moi sur mon indice, ça dit que le premier truc là, qui est link au premier truc là, là, et bah c'est ça. Et regardez, là, y a, sur le petit truc qui tourne, il n'y a que quatre symboles, il y a ficelle, peigne, carré et rampe de skate. Sur le symbole, il y en a 4 et celui qui manque, c'est celui qu'il faut mettre là. Ah oui, celui qui manque, c'est celui qui est égal à l'équation. Oui. D'accord, donc là, c'est. Donc là. Donc le deuxième, c'est. Là, c'est plume. Pied tourpie. Troisième, c'est plume. Pied. Moi, j'ai pied. Là. Pied carré hibou. Pied carré hibou. Donc c'est pied. Pied pour. Le là, dernier. C'est. C'est pied. C'est... Moi j'ai fait la réflexion, maintenant vous faites l'exécution. Et deux c'est hibou. Et le dernier c'est. Let's go, c'est hibou. Oui. Ah bah c'est. Ah fini. Comme d'habitude. Bon, on a mis une demi-heure alors qu'il fallait mettre 15 minutes, mais on l'a. Oui. Ah c'est pas fini. Quoi? Comment ça c'est pas fini? Non. Ok, non, le premier cercle c'est bon. Non, touche pas le premier cercle, Emma. Bah non, pourquoi c'est bon? Mais parce qu'il faut qu'il soit relié au scarabée, les entrées, enfin, Emma. Emma, réfléchis! Emma! Regardez les deux. Merde! Mais arrêtez de le toucher dans ce cas! Mais oui, mais tu l'as déréglé, là, c'est bon. Non, là, il est pas déréglé. Hop, là. Hop. C'est pas mal, là, c'est pas mal, continuez comme ça. C'est pas mal. Là, là. Oui. Voilà! Oh! Oh, la sortie, c'est par là-bas? Quoi? Oh, c'est... Échelle! Oh, yes! Oh, c'était si compliqué! Échelle, c'était d'ordre! Mais en vrai, c'était pas compliqué, c'est juste qu'on est bêtes! Avec les indices, ouais, en vrai, c'était pas si compliqué que ça, il fallait juste connecter nos c'est deux neurones. C'est pas compliqué à faire, mais c'est compliqué à comprendre! Sors, quand t'es dedans, sors, c'est chaud! Sors, hein. Sors! Oh là là! Et on n'a pas fini, hein! Il y a encore 10 000 salles, hein! Je sais pas si vous êtes sûr. Ça, c'est que les premières chambres! Mais bien sûr, Hazel, moi je suis juste là pour. C'est quoi cet endroit? Tout casser. Je fais tourner, je fais tourner. Oh pétard. Je fais tourner. Oh, j'ai un briquet. C'est immense. Oui.
Wesh, j'ai du feu. Qui veut du feu? Apporte du feu, s'il te plaît, Oh, on est pas dans Koh-Lanta là. J'ai du feu. Qui veut du feu là? Encore des histoires de symboles. Il y a une note. Qui savait pas écrire, ils ont tout fait avec des symboles. C'est bon, ils avaient qu'à apprendre à écrire. Alors, j'ai finalement atteint le sommet. Il va sans dire que la vue est tout ce que j'imaginais. Je suis bouleversée. J'ai une jolie statue. Il y a un... Elle est cool. Il y a un E en moins là, non? Bouleversé. Un chapeau surtout, t'as pas dit? D'une part, je suis heureux d'y être arrivé, mais d'autre part, je ressens le besoin de continuer à avancer. Tout ce que je sais, c'est qu'il me faut me hâter parce que je n'ai pas encore atteint mon but final. PS, je l'ai trouvé. Hein? C'est le monsieur, il a un truc sur la tête. Ah, il est là-bas! Il y a un truc dans le sable. C'est ça! Mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi? Il faut que je vois, c'est quoi? Au revoir le tabouret! Il y a un truc dans le sable. C'est quoi cette danse? C'est la danse de la victoire, enfin. Ami, nous sommes du bonsoir! Oh, je peux allumer le dernier feu! Il y a un feu pas allumé! Je lance un chapeau! Wouh! Bah, c'est un carré avec un point, non? Comment ça va, Spectro? Compliqué en un ou seul mot? Ou deux mots? J'ai allumé le feu! Comme Johnny! Tap tap! Oui! Oh, ça a donné un jeton! Oh, il y a une constellation! Waouh! C'est tout, c'était juste un jeton. Il est sûr qu'il fallait croiser les éléments. Bah, c'est évident, Lift. C'est tout le principe de l'énigme, oui. Hé, il a jeté le tabouret, imagine, on en avait besoin! Non, non. Vise les cibles! C'est le truc dont on a besoin, ils peuvent pas disparaître comme ça. Bah, je sais pas. Mais visez les cibles! Visons la première, celle qui a allumé la première je là. Je vous mets ça en ce support. Faut aller à gauche, Kevin. Je vais à gauche. Bah, c'est pas moi qui contrôle. J'ai lancé des trucs. Je vais aller non, à gauche. À droite. Ouais, à droite. Je suis dedans là. Hein. Bah oui, t'es dedans là. Ah bah oui, j'étais dedans. Hein. Baisse un peu. Statue de pyramide. Un mini peu. Faut pas aller dans ceux qui sont cassés. Hop là. J-pip. Non mais j-pip, c'est dur. Là une statue de pyramide. Là. Voilà. Hein. Et tout puis. C'est impossible de viser. Mais j'étais dedans. Ça. C'est pas ça. Je sais pas ce qu'il a sur la tête, mais il faut qu'on. Ah, je défoule dans le trou. Coucou Marco. À chaque fois que je les lance, ils réapparaissent. Ah, c'est que c'est important, ça veut dire. Ouais, j'ai l'impression. Ça peut être le test pour savoir si c'est important. Les deux là sont importants, ceux qui réapparaissent là. Ah. C'est pas niveau débutant ça, c'est niveau intermédiaire plus. Ça c'est niveau grave smart, what the fuck guys. C'est niveau bac plus 5 crime. Regardez si je lance, hop. Oh, il va rip hop, bam il rip hop. Oh ah oui, bah attention quand même. Mais fallait appuyer sur le bouton. Comment ça va? J'en ai allumé un. Il s'est passé un truc. Ah non. Il s'est rien passé du tout par contre. Ah mais c'est bon, ça l'a allumé, je vais tout allumer. Y'a un dernier œil qui est pas allumé sur le truc. Chut. Sur le truc qu'on tourne. Bam. Voilà. Je vais tous les allumer. Faut pas tous les Ouais, mais si tu les allumes tous et qu'il se passe rien, tu vas être drôlement déçu quand même, non? ouais, on peut le dire, ouais, mais à ton avis, faut allumer lesquels aussi? Mais tu l'as éteint, éteint. À mon avis, il doit y avoir un ordre. Allumé. Mais alors, le. Je tire. Le. J'en ai une idée. Oui. Pourquoi y a un truc qui vole là? Ok. Arrête de tirer dans le vide, là. C'est trop dur à viser. Mais il doit y avoir un. Mais si, y a une forme. Bon, on est toutes. Il y a totalement une forme sous nos yeux. Enfin. Regardez. Ah oui. Il y a une forme en bas juste à gauche. Là. En bas à gauche. Littéralement, ouais. Du la coup, faut éteindre les autres. Mais c'est bien sûr. Bah, à gauche. Ensuite, Diago. Diago ici. Ouais. Il faut éteindre celui-là. Ça, c'est bugué. Oh, dans Cyberpunk. Vous voyez, il n'y a pas que Cyberpunk. C'est un jeu bugué. Hop. Ouais. Éteindre celui du dessus. Mais tu l'as pas éteint là. Ouais. Une seconde. Là, voilà, ok. Hop.
Ensuite, faut éteindre. Surtout, n'hésitez pas à vous mettre en plein devant moi. Hein. Grognasse là. Mais non, mais je t'aide. Là, il faut aller. Celui d'en dessous, vas-y, en dessous. Ouais. En dedans. Ah, c'est beau. Ouais. Ok. Oh, 9 minutes. Ensuite, celui du dessus, on l'allume. Oh non, faut pas cliquer trop. Attends. Oh bah non. Tire. Là, voilà. Et. Celui-là, faut l'éteindre, là. Ok. Pas du tout chiant à faire. Pas. Éteindre celui-là aussi. Où sert-vous ? Merde. Il s'emboîte. Lui, il s'emboîte pas. Ah mais oui, je suis bête. Éteindre celui-là. Il faut éteindre, qu'il faut allumer. On va pas le faire tomber dessus pour que oui, ça c'est casse. Lui. Oh okay. Oui. Emo a terminé un puzzle, comment ça Emo ? C'est qui a fait là ? Oui, c'est qui a compris ? C'est moi ! J'ai tout faire. J'ai tout ça faire dégoûte. Toute seule. Comment ça ? Et ça fait quoi d'ailleurs ? C'est moi l'homme, bah ça... c'est les poteaux ils se sont levés, les deux poteaux de devant oh, c'est là. La constellation du fion. Oh, on va l'appeler comme ça. On est censé faire quoi là ? Les deux poteaux ils se sont levés mais il se passe rien du tout. La constellation ? Oh la constellation, bien vu ! Oui. On est bien avancé, dis donc. Bah c'est... Ok. Tiens, regarde Nala. Mm-hmm. Tiens, essaie d'être c'est quoi que t'as ? C'est une note. Ah. C'est des trucs là. C'est quoi ? Il a dit qu'il a trouvé ce qu'il voulait atteindre et c'est un monsieur avec un truc sur la tête. Et si tu regardes là-bas, avec le clic molette, en zoomant, il y a un monsieur avec un truc sur la tête. Oui. Il brille. En effet. Mais... À la gauche, oui. Oui. Donc j'imagine oui. que c'est notre homme. Maintenant, et moi j'ai la statue qui se trouve à droite. Le mec à droite, j'ai sa statue. Le mec à droite, Dakia. Ok, super. Ça nous avance à rien. Régette. Regarde, lui, c'est sa statue. Alors, je zoome. C'est la statue du mec à droite. Elle dit, regarde, elle bouge. Ouais. Ah, c'est la statue du mec à droite. Et du coup. Mais il doit y avoir un truc avec les statues en face. Non. Ah mais en fait c'est un échiquier, non ? Regardez, on dirait qu'ils sont sur des dalles. Oui, c'est vrai, mais comment on les bouge ? Je sais pas. Bouge ! Sur... Jacques a dit bouge. Attendez, ça fait la même structure que là où on le... Attendez, parce que regardez, ça fait les deux tours de devant et nous les deux tours de devant se sont levés. Et du coup, moi, le mec que j'ai dans la main, théoriquement, il est là, genre. Si on prend à l'échelle de là-bas, tu vois. Il est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez ouais. la statue que je viens de poser là, c'est le mec qui est là-bas. Le Gorlo. Ouais, ouais, dans bah. Temps, il n'aura plus. Ouais. Vous avez capté ? Grave. Mmh. Non, pas. Merde, la pigée. Si j'ai bu, trou de balle. Ok, qui a l'autre statuette qui ripop quand on la lance ? Voilà, ça. Ok. Et regardez, justement, c'est dans les deux emplacements là qu'il doit y avoir un truc. Mais ils doivent se poser quelque part, ça c'est et sûr. Et ça tourne aussi. Et puis pourquoi il n'y a pas de feu dans celui-là, genre ? Tournez dans le vide, vide, tournez dans le vide. Le vide, le vide. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et c'est quoi je que jette dans la... Ouais, c'est des ambiances graves différentes et on comprend rien, c'est fou. Enfin, c'est des énigmes graves de format différent à chaque fois. Mais moi, c'est du milieu, je comprends pas. Oui. Faut vider le sable, je pense. Je veux que tu dises quoi, Kézé. Ah non, bah non. Parce que en fait, je suis pas un con. Je pense qu'il faut mettre ça parce que c'est la forme qu'il y a à l'intérieur et un truc pour vider le sable. Oui. Quoi? J'y vais. T'as fait exprès ou pas du tout? Non. Oui, c'était réfléchi. Le retour du c'était... pied. Oh là! Oh, c'est long, ça me. J'ai éliminé les possibilités et après j'ai fait un tâton et ça passe. Ouais. J'ai juste un énorme cerveau! Bien sûr. Il y a un petit carré au milieu, en bas de son cul, donc il va. Regarde, donne la statue! Oh okay. Non, l'autre, le monsieur. Ça, ah, j'ai pas. Ah, elle est là. Droite. Attends, parce que regarde, ça c'est l'échiquier qui est là-bas. Et les statues, oui. elles sont devant. Et le monsieur que j'ai là, il est là du coup. Voilà, là, pile poil. Ouais. Ok.
Ça c'est quoi? Ça tourne. Ça c'est tout oh. Beau. Ça c'est au milieu. Ok. Oiseau, tipi, pied. Encore. Encore. Oh non. Encore ces histoires de pied, tipi. Ah, attendez. Tipi, oh. Oiseau, gamelle. Tipi, oiseau, gamelle. Ah bah voilà. Tipi. Ok. Oiseau. Oui. De nouveau des constellations. Okay. Oiseau. Gamelle. Ah, sur laquelle? On passe les constellations, tu crois? Ah. Peut-être. Il y en a beaucoup trop. Ah, c'est pas le bon oiseau. Ça me paraît chelou. Ouais, ça fait beaucoup quand même. À moins que si on appuie, on l'a fait. On peut pas faire. Le bon oiseau, il est effacé. Regarde. Ça a l'air non, 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 t'as bougé, Nala. Pardon. Regardez, en gros, quand on les met bien. Regardez, le premier tipi, le dernier gamelle, regardez sur la petite pierre là, ça les a éclairés en blanc. C'est-à-dire qu'ils sont bien mis. Ah oui. Le problème, c'est que le dernier là, oiseau, et eh ben au milieu, il est effacé. Parce qu'il y a un autre oiseau, mais c'est pas le bon. Regardez, c'est un corbac. C'est pas ce qu'on veut, le corbac c'est Nala ici. Et là, il est effacé. Donc, il faut dessiner. Oh, attendez. On n'a pas de crayon. Oh. Oh. Ok. J'ai mis. Statue. J'ai mis Lannister. Oh oui, bien, bien. Je l'ai eu très tard, mais je l'ai eu. Ouais, un peu, ouais. Je l'ai eu aussi maintenant. C'était long aussi. Comment on déplace ça? Comment t'as fait, Emma? Technique. T'es fort. Mais non, mais ça, c'est fini, ça. Ok, ah, t'es trop forte. Bah, et là, du coup, c'est la tente. Qui on pop. Cabane. Qui? Là-bas, il y a la tente et le lion. Ah oui. J'appuie. Ça fait rien. Super. Et mais en plus, on peut pas les refaire parce qu'on a plus les manivelles. Enfin, les trucs. Sympa. Bah, ça sert à quoi alors? Elle sert à J'ai allumé ici là. Où mais ça, rien où ne ça se passe, regarde. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Bah, j'ai pareil que toi. Ah ouais. Mais c'est okay. Pas là pourtant. On sait pas. Mais je pense qu'il faut les autres statues. Oh, il nous reste plus que 2 minutes, on a perdu encore il une fois. Il faut les là. Autres statuettes. Ah, c'est perdu. Ah non, le trou il peut pas se péter. Et il y a un dans le trou et tout. Je peux pas ah, mais non, mais il faut peut-être que ça ce soit au bon endroit. Ouais, mais comment c'est. C'est pas de constellation. Ça me. Ah, c'est peut-être. Ah, c'est peut-être. Faut peut-être le mettre à celui qui est manquant, donc à ce. Bah non, parce que c'est 4 et la 3. Ah, ça a donné un truc là! Quoi? Oh! Ça a donné quoi? C'est un tampon pour faire. Pour écrire, nommer, écrire? Oui! Hein? Ah non, c'est là, ça va là! Oui! Fais glisser! Oui! Oh, wow. On fait une partie d'échec là, team ou quoi? Oui! Eh, hey, vous avez tout pris, redonnez. Eh, mais attendez, du coup, c'est en fonction avec les mecs devant là. C'est en face, ouais. Ok, moi j'ai celui qui est là-bas. Mettez vite, il reste. Il est là. Moi j'ai. Il reste 1 minute 30. Moi j'ai celui qui est. Oui, il va au milieu derrière. Il va au milieu derrière. Hop. Yes. Mais il faut les tourner dans le sens. Ils sont pas les tourner. Dans le bon sens. Mais si on peut pas les tourner. On peut les tourner. Ah si ? Ah, je savais pas. Allez, bah. Ah bah non, on peut pas les tourner, j'ai rien dit. Eh bah voilà. Non, mais c'est ça, hein. Mais non, mais. Non, non. Non mais vous avez pas mis les tourner. Là. Oui, c'est bon. Mais à gauche? Ouais, c'est à gauche. Eh, mais on peut... Plusieurs emplacements vous permettent de les tourner avec space. Attends quoi? Oh OK. Voilà, voilà, comment voilà, OK. Il suffit de... il faut le placer, il suffit d'appuyer sur espace une fois qu'il est dessus. Repose-le. Voilà. Oui. Ça a fait quoi? Bien vu. Ça a levé deux tours, il y a des constellations en plus. Oh c'est non chiant. Pas ça. Miam, t'es cool. Allez, on a quête, comment ça va? Oh non, mais c'est terrible. Mais celui-là, je comprends pas, là, y'a... Eh, dans le chat, vous comprenez à chaque fois les énigmes? C'est chaud, en vrai, non? On doit utiliser le reste des constellations. Donc celui-là, on peut pas le faire. Ah, mais on peut appuyer sur les constellations. Ouais. Elle tient des beaux temps. Quelqu'un a un stylo que je redessine le piaf? Elles là doivent être repérables quelque part. Le bien. Chier là. Ah, mais on est déjà à zéro, on a déjà perdu.
Bah oui. Oh merde alors. Mais en même temps, il y en a un, on peut pas faire parce que le symbole, il est gommé. Bah il oui. Il est Selena gommé. Oui. Ok, du coup, non. Il nous faut... Pourquoi on peut... Mais le piaf, vu qu'on l'a pas, comment on fait? Bah je sais pas. Il est tout gommé. Oh gommé de la taille. Ça fait une chaise. Une chaise. Non, on panique pas du tout. Il est la chaise. Voyons. Ça va aussi, merci, Chouquette. Chaise. Chaise et pied. Ah oui, oui, t'as déjà fait le jeu, oui, donc forcément. Mais c'est incroyable, on est d'accord. Bricetti, bricato de leche. Il est gourmet, le piaf. Ça sert à quoi, le bric, même? Je sais pas. Ah. Les constellations, peut-être qu'il faut regarder le ciel. Bah, il fait jour. Il fait jour. Ne regarde pas le ciel. Ouais, la lumière qui émane de ça, c'est un bug ou il y a un truc? Je sais pas si c'est un bug ou un indice qu'il y a de la lumière qui sort. De où? Bah des tours là. Je dirais de la lumière en milieu. Non, je crois que c'est normal. Non, je crois... non, oui, non, c'est du... C'est du sable qui passe un peu à travers la texture. Ouais. Je crois que c'est juste un bug. Ouais. Ton genou, c'est ça! Faut pas le récupérer, ça? Dommage. Cela, c'est un truc avec les constellations, hein. Ouais. Et le rayon, ça va? Et ça, c'est quoi? Il repop le briquet si je le lance? Ah, d'accord. Ah, bah non. Comment vous faites pour pinguer? Je sais pas. Y'a que Nala qui arrive à pinguer. Mais attends. Mais tu te fous de ma gueule? C'est bon, c'est allumé? Ah oui, c'est allumé là. Quoi? Comment t'as mais fait? Bah j'ai juste j'ai pris ça. Le piaf d'en haut, je les ai juste pas mis dans l'ordre. Ah oh, mais ils se foutent de notre gueule. Il faut trouver un deuxième comme ça du coup. Ah ça, on peut plus le bouger. On peut plus le bouger cette façon, donc c'est même pas là les constellations. On peut plus le bouger cette façon. Bah non, 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 c'est pas là. Mais je sais pas... Ok, c'est qu'il faut appuyer sur ça, mais où est-ce qu'on les repère? Je sais pas, j'essaye de regarder autour de nous depuis tout à l'heure, je comprends rien. À quoi ça correspond, ces tours-là? Attendez, les tours, elles sont... Oh, attendez! Non. Parce que là, les tours, elles sont grandes. Ah, et là, elles sont les petites. Dalton. Et les Dalton... Pourquoi elles sont petites, là? Bah là, les deux là où il y a les constellations, elles sont plus grandes que les deux là où il n'y a pas de constellations. Oui. Eh ben... Là, moi j'ai des tours. Non, ça sert à rien. Aucun rapport. Je me demande à quoi ça sert. Est-ce que c'est en rapport avec les trucs d'en mais face? Attends, mais vous avez donc, ouvert du coup, la plus grande. Ah oui, oui, c'est en rapport avec les trucs d'en face. La plus grande serait là. Comme ça. Et là, il nous faut juste la plus petite pour au milieu. Ouais. Elle est où la petite déjà? On l'a pas, ça doit être le truc des constellations. Hein, mais on l'avait la petite au début. Non, 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 celle du début, non, c'est elle est déjà placée là. Ah. Constellation. Mais il y en a une par terre là. Oh, elle est là, mais si, vous voyez qu'elle est là. Vous foutez de ma gueule. Mais on l'avait pas. C'est que tu l'as jetée par terre, Kevin. Elle était dans le mais coin non, par moi, terre quand là-bas. Moi quand je les jette, je les jette hors map, elles réapparaissent. J'ai pas touché celle que j'ai jetée, je l'avais hors map. Elle était semi hors map. Oh, là, regardez les constellations en l'air. Ok, il y a le dollar. Il y a le Y. Il y a le Y. Le dollar. Ça. Y'a le Y. Y'a un j'ai talon. Le Y. Et y'a point d'information bon. Avec tache de rousseur. Y'a diagonale et puis machin. Diagonale et puis machin. Mon cerveau, ça. il fait des bêtises dans la tête. Pourquoi il y en a un? Là, il ne fait aucun sens. Alors, un petit triangle. Petit triangle in tout. Qui a mis celui-là? Il n'y a pas celui-là. Mais si, il y est, trou du cul. Ah ouais, où ça? Ah, il y a celui-là en bas. Bah, je sais pas, mais je l'ai vu. Où ça? Tu sais que vous voyez celui-là? Je sais pas, mais je l'ai archi vu. Si, il est là, il est là, il est là. Là-bas. Attendez, déjà, faut compter, il y en a une, deux. Vers les pyramides de toutes les tailles. Ah oui, trois, quatre. Il y en a quatre. Mais d'accord. Bah ouais, bah là, il y en a 4 qui sont activés aussi, nous.
Bah, y'a une couille dans le pâté. Attendez, mais je crois qu'il y a deux fois le même là. Ah non. Attends. Ouais. C'est simple. J'espère ventile. Non, c'est pas celui-là, c'est celui du. Bah. Oui! Oui! Oui, je t'ai parlé. À chaque fois, on met 20 minutes. Mais on y arrive. Ah, le cerveau. Le cerveau en ébullition. Qui c'est qui veut faire une... Ah non, on peut finir la première salle. On a fini... On finit la première salle, on va sur Overwatch. Let's go. On a fini l'Egypte. Non, on faut faire la première, on l'a pas fini. Après, mais il nous reste... Mais va être trop facile maintenant. L'espace. Ouais, ouais, dis pas ça, Nala. Dans un... Ouah, il y en a un dans un vaisseau. Oh oui, là là. Il y en a un dans un vaisseau avec des canalisations, c'est chiant. Oh, mais ça a l'air trop bien. Ensuite, il y a une sorte de... Le hall d'entrée. Oméga... Il y a une corporation. Ouais. J'aime pas les corps. L'atelier du Père Noël. Venez, on le fait à Noël. Venez, on le fait à Noël. Ah oui. Oh, il y a l'atelier du Père Noël. Oh, le chat dans le temps. Oh oui, on le fait à Noël. Ouais. Oui. Et il y aura le DLC Steampunk après, si on veut aussi. Ok. On peut s'en faire un tous les temps de temps. Tu vois, deux même. Enfin, ouais. En vrai, hein, c'est déjà long, hein, parce que vu qu'il y a quatre salles... Avec nous, c'est un peu long. Hein. Voilà. Avec et nous, celui de Noël, on se le fait à Noël. Oui. La constellation du dollar. Je suis chaud. On se refait la première chambre et après on va se sur la route. Y'a pas eu de nom. Y'a pas eu de nom. Y'a pas eu de nom. Pour moi, c'est un oui. Ok, donc cette fois on y arrive. On peut faire la première, faire une pause et après aller sur la route. Ok, le serve à quoi déjà? Ah oui, ça va là. Je me rappelle plus de rien. Si, la valise. Bam. Eh hey, mais au final ça a jamais servi du coup pour l'instant les... Ok, j'ai de l'eau dans mon ah, flacon. Ah, ça va dans le trou. Faut mettre dans les vases. Essayez Sphinx, mes trous. Essayez Sphinx, mes trous. Et lui il allait dans l'eau. Trou. Oh la... Oh, c'est la popo de Vercingétorix en fait. Speedrun. Attends, on avait dit quoi là? Attends, mais... On avait dit quoi déjà là? Non, je me rappelle plus ce qu'on avait dit. Eh mais c'est les vrais hiéroglyphes en plus, je crois, non? Les vrais, c'est-à-dire? Bah, dans le livre, là, avec les hiéroglyphes, c'est vraiment ça, la trame. Oh, c'est vrai! Hop, 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 hop! Femme! Femme jupe! C'était 3000... Kevin, tu te moques de moi! T'as dit que la pelle, elle avait servi à rien, je viens de m'en servir. Oui, mais parce qu'on n'avait pas encore fait. 3400. Mais si, c'était littéralement un jeton juste là. Oui, mais c'est pour un jeton, 3426. Hop. Ah bah, super. Ok. Hop. Ah bah, comme si j'avais rien été. Le speedrun. Enfin, c'est pour un jeton. Les jetons, ça sert pas à sortir de la salle, madame. Hein. Excusez-moi. Écoute, moi, j'aime bien les jetons. En fait, si. Je pense que les jetons servent. Non. Mais ah si, oui, regarde. Pièces, là. Là, regarde, c'est pile la. C'est pile la taille pour un jeton au milieu. Mais c'est pas ça un jeton. Ça c'est des pièces. Les jetons c'est ce qu'on trouve depuis le début. Oh elle m'énerve. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. Elle joue pas au jeu depuis le début là. C'est bon. Très mauvaise foi. Ça ça se... C'est pas ça. Y a un truc avec ça. J'ai des jumelles, je sais pas quoi elle est totalement relevée. Hein. Y a pas une pioche. Je sais pas à quoi elle sert. T'as pas un pied de biche? C'est la loupe. Ah non. Pas sur celle là. À quoi servirait l'eau dans la gourde là? J'ai une truelle. À quoi? Pas trueller un truc vite fait. Pourquoi ça servirait? Je peux pas y mettre dans le trou. Ah, c'est tombé dans la poubelle il y a deux fois. J'ai une truelle qui sert pas à trueller. Montre la truelle, donne la truelle, j'en ai besoin. Peut-être y a un pot de fleurs à. Rien ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, pas donne vrai, la truelle. Pas besoin, tu veux faire à ma place. Donne la truelle. J'ai des jumelles. Mais on l'avait pas trouvé la truelle la première fois, tu l'as trouvé si, où? Si, j'avais tout. Dans la valise. Et tu... J'ai pas utile de le dire. Bah à chaque fois que je vous cause, vous me répondez pas, donc arrête de temps. Mentir, genre. Alors, no joke, dans la première salle, à chaque fois que je vous parlais, il y avait un grand blanc et vous étiez en mode « Ah, mais ça !» Et du coup, j'ai juste arrêté de vous parler, en fait. Ouais. Bon. Kevin et Boud. Ben ouais, un peu, en fait, ouais.
Tiens, j'ai un flacon, moi, j'ai pas dit, en fait, je sais pas où est-ce qu'elle va. J'ai envie de truéler, mais je sais pas quoi. Mais pourquoi vous le mettez pas assembler ça, non? Parce que je peux pas y assembler. Mais si tu peux. Oh, assemble. Kevin. Quand on veut, donc à un moment donné... Ça vous dirait pas... Non, je peux pas les assembler parce que c'est pas les deux pièces qui correspondent. Il faut les autres pièces. Mais je l'ai littéralement fait la dernière fois. Tu te fous de ma gueule. Fais-le, vas-y, tiens. Voilà. Et moi, ça... Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, ça fait un œil maintenant. Où ça? Bah, regarde. Ça fait littéralement un œil. Ah, mais t'avais l'autre pièce, tu te fous de ma gueule? Bah, elle était posée! Ah bah pas sur mon écran, il y avait rien sur mon écran, il y avait rien, la vie de ma mère. Pose là, pose que t'as, pose. Mais par-dessus, ouais, ça doit faire un toit. Ah mais j'y vois pas moi. Moi non plus, mais je vois pas la pièce. Non, il y a que toi qui vois en fait, je pense. Oui, ouais, je crois. Ah bah donnez-moi les autres alors. Tiens, bah tiens, je te pose au sol. Tu vois, elle se fout de ma gueule alors qu'il y a que elle qui voit. Mais c'est pour bon ça qu'on était kéblo alors, il en manque une. Quelqu'un à la dernière? Bah du coup, non, j'ai pas. Non, un petit bout rouge. Attends, j'ai une loupe, peut-être que ça sert à chercher quelque chose. Une loupe? J'ai loupé des trucs. Oh. Ouais. Oui. Mais il y avait un jeton dans la jeton. Gourde. Ça sert à rien, le jeton. J'ai pris le jeton dans la gourde. Non, tu l'as Arrêtez pas pris. Arrêtez. Ah, merde. Il y en avait un. Je pose la... Alors. J'ai des jumelles. Oh Arrêtez oui, j'ai eu le sujet destroyer. Moi aussi. Attendez, mais ça... Ça bouge bizarrement ici. Attendez, je peux pas le truiller ou pelleter. Mais non, ça c'était parce qu'il y avait un jeton dedans. Ah. Qui est sûr? Oui, je suis ça. Je fais apparaître un jeton, prenez le jeton. Mais t'as plein d'outils et tu le dis pas. Ça me donne envie de me tabasser les couilles. Ah bah non, tabasser pas les couilles. Et comment ça je le dis pas? J'ai littéralement dit que j'avais un truc pour enlever. Y'a un petit bout rouge là, non? C'est pas ça que tu cherches. On va c'est se battre. Ah, on le voit flotter. Je pense que moi, on est peut-être bugué finalement. Oui, oui, moi je le vois. Mais pourtant, c'est pas moi qui host la game, ça n'a pas de sens. Je le vois flotter là, c'est bon. Ouais, moi aussi, je le vois flotter. Bah, il nous manque un dernier bout rouge en tout cas. J'ai des jumelles, peut-être il est loin. Bout rouge. Bout rouge. Bout rouge. Bout rouge. Je sais pas à quoi elles servent les jumelles. C'est la, t'sais, la salle de trop là. Là, c'est juste la salle de trop. C'est la salle Pétard. De trop. Pétard. Les fêtes et les fêtes. Et ça, jusqu'au fiasco. Mais j'ai ça se trouve, on est buggé. Imaginez. Ouais. Ah oui. J'imagine très bien. Après, là, il nous manque juste le petit bout rouge, quoi. Je passe la salle au peigne fin. Il y a le couvercle du flacon. Que ça sert à quelque chose. Je tout balaye toute la salle. Tu veux le flacon mais... Ouais, balaye, ouais. Qui c'est qui a chopé le flacon? Moi, pourquoi? Ça sert à quelque chose, ça, non? Bah, ça servait, il y avait un jeton dedans, quoi. Y'a pas un truc avec non, les pots de fleurs? J'ai rempli le flacon d'eau. Donc y'a de l'eau dans le flacon. Cruel, le pot de fleurs. Ouais, là y'a de l'eau dedans. Je sais pas comment l'utiliser, ni pourquoi. Bah, je sais pas si ça sert, ça se trouve, c'était juste le jeton, hein. Bah non mais sinon on pourrait pas la remplir d'eau, ce serait bizarre. Bah fallait mettre de l'eau pour trouver le jeton justement. Ah attendez, ah, avec la loupe et le soleil, on peut pas faire du feu sur les feuilles? Bah c'est parce vrai que tu surestimes le jeu hein. Tu peux pas la tenir en main la loupe. Attendez, y'a pas quelqu'un qui veut tenir le... Mais... L'autre pot de fleurs avec moi en même temps? Je suis sûre que je peux faire du feu avec ça hein. Emma, Emma, viens Emma, Emma. Emma. Enfin... C'est bien dommage. Ah, attrape le pot de fleurs. Et Coulimbo, qui m'a soutenu Valentin pour le follow. Bienvenue, celui-là. Merci beaucoup. Et mets-le à gauche, le tien. Ouais. À vous, l'idée du feu était incroyable. Emma, à droite. Aïe. Qu'est-ce que vous faites? Quoi, j'essaie de faire une énigme avec les pots de fleurs. Pourquoi il y a trois pots de fleurs d'ailleurs? Mais je vous jure que la loupe, il faut faire du feu avec les feuilles. Je vous le dis. Ouais. Non, mais jamais. Ma main a coupé qu'il faut faire du feu avec les feuilles. Oui, oui, bah bien sûr. Jamais, jamais. Oh, je les vois flotter les feuilles aussi d'ailleurs. Faire la game complète avec voice mode, ça aurait pu être intéressant, j'avoue. Oh moi j'ai des jumelles, je sais toujours pas quoi le servir.
Et pourquoi il y aurait 3 pots de fleurs et pas plus ? Ou moins ? Moi, c'est la question que je me pose, les amis. Timber ! C'est vraiment... C'est vrai que c'est impair, ça me stresse un peu. Poutre ! J'aime pas les trucs impairs. J'attends. J'attends. Et l'eau, c'est pour éteindre mon feu ensuite, tout est clair. Mais arrête ! Hey, t'as dérangé mon feu, je suis sûr la feuille a commencé à chauffer. Bah grave, grave. Oh. Attends, mais je mets du bois pour que ça prenne, je mets du bois pour que ça prenne. Mais ce sera une fois que ça aura pris le bois, voyons. Bon sang, en fait, preuve. Il y avait un tri, c'est normal qu'il y ait un triangle dans l'eau. Tiens, Nala. Il y avait un triangle mais dans une des flaques d'eau. Mais quoi, quelle flaque d'eau ? C'est là, là. Oh là là ! Donc depuis tout à l'heure, personne... Non, non. Foutez ma gueule. Waouh ! On a eu encore une énigme ! Mais en fait, c'est qu'on cherchait trop loin maintenant. Et c'est juste une perte. Encore une énigme ! Encore une énigme ! Ok, l'entrée, c'est là, donc ça fait... Mettez-vous plus ça devant, fait... je pense. Ça fait corbeau. Tais-toi, toi. Ça fait corbeau. Ça fait non, corbeau. Pas corbeau parce que c'est cul-de-sac. Non, oui, donc, ça fait lion. Pas corbeau. C'est lion... C'est lion... Lion... Lion tipi, lion tipi, lion tipi carré cactus. Mais en même temps, qui a mis des planches dans l'eau, évidemment qu'on voit pas. Bon. Lion tipi. Ça l'est pris sur le pied. J'espère que t'as eu mal. Carré et dildo cactus. Je regardais, je l'ai bon. Oui. Oui. Dildo cactus. Ok. Next. Oui. Oh non. Mais okay, mettons alors le scarabée. Vraiment, on attendez, vraiment okay. pas. On prend chacun un insecte et on fait le chemin. Je prends le scarabée. Mais non, il faut faire le chemin inverse, putain, ça marche beaucoup mieux. Alors, ta 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 ta. Ta, ta. Regardez les glitter. Ah bah le scarabée, c'est pas bon. Ils sont là devant le truc. C'est l'abeille, c'est l'abeille. C'est l'abeille. Ah merde, mais y en a trois. Il en faut trois. Emma, c'est l'abeille. Emma, on est commencé, laquelle est le premier, putain. L'abeille, cool. Eh oui! La belle... Ah, la belle couille ou quoi? Mais elle est même pas là, l'abeille en plus! Ah, oh, Emma la... qui hint! Mais non, mais l'œil... y a rien de. Y a l'œil rien de... Et, le mec qui fait du yoga, ils se rejoignent. Le mec qui fait du yoga. En bas à gauche et en bas à droite, ça se rejoint. Alors que les autres, ils se rejoignent pas! Oui, mais on n'a pas, de toute façon, il n'y a pas les trucs. Ah oui, c'est vrai, c'est pas les mêmes symboles. Ouais, c'est pas les mêmes symboles, alors on fait quoi ? J'ai l'énorme avec... fiac d'Héloïse devant moi là, putain ! Je vois rien ! Non, elle pas chiche ! Non ! Carré, tipi, lion, hein. Oui, il y a l'abeille, mais on est censé capter quoi ? Carré, tipi. Eh ben ça doit faire... Il doit y avoir une énigme, on n'a pas... Non, c'est pas ça. Faut mettre de l'eau. Ok, le abeille, c'est BJT. BJT, c'est... Mais tu sors ça d'où ? BJT, c'est... Ok, faites dans l'ordre. Hein ? Ok, dans l'ordre, là, sur le truc, là, voilà. Emma, fait dans l'ordre, t'es prête ? Oui, oui. Pied ? Dans l'ordre. Pied ? Ouais, pied, serpent. Serpent. Pied, serpent, dôme. Ah, mais c'était bien l'abeille du coup. Oh là là, oui. Oh là là. Mais bien sûr que c'était l'abeille, elles sont supérieures. Oh. Let's go. On a gagné. Oui. Et on est trop... En fait, le problème, c'est qu'on est trop intelligent. Mais clairement. En vrai, je pense bien, oui. J'ai oublié que j'étais vert. En vrai, honnêtement, je trouve qu'on s'en est mieux sorti que ce que j'aurais cru. Je sais pas vous, mais... Non, c'est pire. Non, je pensais vraiment pas qu'on allait... J'avais une très haute estime de nous, et je me suis déçu. Non, moi, je trouve qu'on a géré. Il y en a en trois, on a fini hors du temps. Bah, au moins, on l'a terminé sans tricher. Attendez, mais non, on les a tous perdus, non ? Non, oui, ah, mais celui-là, pas on a la trophée, question, ça veut dire qu'on a fait dans le temps. Celui-là, on a le trophée en bas, donc voilà, là aussi. Là aussi. Ah, il y en a que deux qu'on a loupé. Non, c'est pas possible. Et là, on a là les trois mais derniers, si, on n'a pas oui, fait. Il restait une minute le premier, enfin le deuxième qu'on a fait en entier. Il restait qu'une ceux minute. Ceux où on a le trophée, c'est qu'on a fini dans le temps, et ceux où il y a une petite médaille, c'est qu'on a fini pas dans le temps.
Mais voilà, on s'en est bien sorti. Ah voilà, en vrai, oui, vous en êtes bien sorti. En gros, on a fait moite-moite. Trois où on a fait dans le temps et trois où on a fait dans le temps. On a galéré de ouf sur certains puzzles, oui, là. Oui, parce que pour le temps que faire des escape game IRL avec vous, ça va être un or. Mais en vrai, les trucs qui nous ont le plus ralenti, c'est vraiment des inattentions, de trucs qu'on voyait pas. En mode la petite pyramide, on l'avait depuis le début, mais elle était par terre. Par exemple, le truc où il y avait les tours. Je reviens. Attends, mais tu reviens dans combien de temps? Elle a pas dit. Mais attends, mais attends, déjà je parle. On me met un vent des enfers et elle se casse. Mais. C'est fou. Qu'est-ce c'est qui vient de se passer là? Et quoi, atelier? Je suis scandalisée. Et merci pour les GG et les claps. Clap, merci beaucoup. Choix quotidien. Je suis touchée, je trouve qu'on s'en est bien sorti, moi. Il y a des maps de la commu. Oh, mais en vrai, toilette le jeu escape. Est super bien foutu. On peut s'échapper des toilettes. Mais en vrai, best en plus, il y a 2020. Eu un crash qu'une seule fois, mais ça va, quoi. Oui. En vrai, c'est cool. Non, en vrai, j'aime bien le jeu. Hein. Mais ouais, c'est trop bien. Hein. J'aime bien. Mais moi, j'aime bien. Les maps faites par les gens, elles doivent être stylées de ouf. Mm. On devrait grave tester la prochaine fois. En vrai, on en a plein à faire, du coup, c'est trop cool. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. En fait, un niveau, c'est assez comploté à nouveau, ouais. T'étais parti comploter, Emma? Bah ouais. Pour de la piraterie? La piraterie n'est jamais finie. Bien sûr, bien sûr. Par contre, mon cerveau is fuming. What the fuck? Ah mais là j'ai envie d'aller casser. En vrai c'est cassé, bien parce que je réfléchis rarement dans ma vie et ça me force à réfléchir. Bien. C'est vrai que c'est bien. Ça exerce le cerveau. Il a pas l'habitude notre cerveau, je pense. Bah ouais non, moi je suis un gamer, je fonce dans le tas. Bah ouais. Hein. Moi je joue Junker's Queen. Act. Oui. Bah, je crois que c'est réfléchir. Bien. Il y a du sweet and spooky. Vous avez bien aimé les amis. Sweet and spooky, c'est nous. C'était trop bien, je trouve. J'ai adoré. Il y a un truc dans le cinéma. Waouh. On en refera. Oh, franchement, c'était trop bien. Vous en parliez tout à l'heure, le niveau de Noël. C'est que un niveau. Bah, on fera tout ça la prochaine fois. Le niveau de Noël, apparemment, c'est que un niveau par contre. Ah bah oui, c'est pour ça, c'est un one shot. Ouais. Hop. Mais il va être dur par contre, vu que c'est le dernier, non? Non. Je sais pas. C'est des extras.